bonjour. À chaque fois, je suis sûr que ça coupe, du coup, je sais pas quand est-ce que. Ah, tu veux qu'on redise bonjour deux non, fois ? T'inquiète, non, c'est bon. On part du principe que c'est bon. C'est fait. On a fait nos politesses. Nous revoilà aujourd'hui pour une enquête. Encore ? Encore des enquêtes. Mais parce que, on va pas vous mentir, on est vachement attaché à ce jeu. Et que ça nous fait des petits moments un peu de réflexion c'est entre ça, deux ça jeux. Ça marche, et puis c'est rare d'avoir ce genre de jeu qui marche bien. Enfin, c'est pas facile à trouver un bon jeu d'énigmes où t'accroches bien. Tu sais quoi, on va rester sur le menu où il y a une musique un peu intense profiter. Pour faire les tests sonores, la petite intro ouais, tranquille. Ouais, en plus tu pourras nous parler de... On n'est pas à la bourre. Oui, Dead Rising. De Dead Rising. Mais j'en parlerai au début, j'en parlerai ça. Après. Non, mais de toute façon, ça on peut le faire pendant, vu que après chose. On est. Ouais, après, on sera focus sur l'enquête. Ouais, t'as raison. C'est comme quand tu regardes. Bah, comme tu dis. Tu m'as dit que t'as revu Zodiac. Quand tu regardes Zodiac, t'es focus sur Zodiac. Ouais, pour ouais, pas Zodiac, décrocher. J'étais focus. Non, je me rappelle pas qui y avait dedans en termes d'acting. Aucune idée. Enfin, de casting. Il y avait Robert Downey. Ah, Il y a pas vraiment de héros, mais. On va dire les trois héros, techniquement, c'est Robert Downey, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, on a les Avengers, c'est le nouveau Hulk. Ok. Mais sans, quand il n'est pas Hulk, quand il est Bruce oui, Banner. Oui, bah oui. Qui joue Hulk, on se demande. Il est costaud, quoi. Non, et le troisième, le héros, celui qui est quand même plus central, c'est Gyllenhaal. Ah ok, ouais. C'est le prince de Perse. D'accord, ouais, c'est un peu les personnages principaux dans Zodiac, oui. C'est un peu ça. Tu suis plein de choses qui se passent. Mais ça marche. Ouais, Fincher, il a fait des bonnes choses. Il y avait Seven, de très connu. À l'époque, Seven avait fait beaucoup parler de lui. Il y a Morgan Freeman dans Seven, ouais, non? C'est bon, on nous entend, le jeu on l'entend très bas en fond, c'est pas grave. C'est Morgan Freeman dans Seven. Ouais. Ouais, et Brad Pitt. Ouais, Brad Pitt. J'avais un doute. Et ce bon vieux Brad. Ouais, alors, avant qu'on se lance, c'est vrai, alors, petit récap, là, moi, j'ai fini, donc, c'est pour ceux que ça intéresse, hein, on s'en fout, mais c'est la parenthèse Dead Rising, c'est vraiment la parenthèse Dead Rising. J'adore le jeu, le ressenti est très bon, là, je l'ai fini déjà trois fois et quelques, je crois que je suis en ma quatrième run, je sais plus, mais j'ai tapé le perfect, pour débloquer le bal infini et tout, c'est-à-dire okay, donc j'ai fait une run où j'ai tout fait. T'as sauvé tout le monde un peu. Donc j'ai pu voir les différences enfin et savoir ce qui a été censuré et ce qui n'a pas été. Dans ce qui a été censuré, il y a donc tout ce qui est lié aux photos érotiques, okay, même plus. Dans les dialogues ou autres. Il y a, ça m'a fait rire d'ailleurs, j'ai vu un truc. Il y a certains trucs qui ont aucun sens et c'est marrant parce que sur le moment, on n'a pas réagi. Ouais. C'était dans le premier live, mais genre, au moment où il arrive, il voit sur les caméras les emmerdes et tout, normalement, il lâche une phrase, et c'est vrai que là, il lâche rien, et alors que, pourquoi ils ont coupé cette phrase, je ne sais pas. Mais bon, je sais plus ce qu'il dit, mais il dit genre, pas oh shit, mais genre, what the hell, ouais, je crois qu'il dit un truc comme ça, tu vois, genre, ouais, non, mais genre, en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois, y a des trucs comme ça qu'on sautait, je sais pas pourquoi. Okay. Le nouveau doubleur est nul à chier, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais non, ça par arrive. Contre... ouais, ils ont censuré donc le militaire, qui okay. dit plus Viet Cong communiste, ouais, mais qui dit traître. Okay. Ils ont censuré le boucher, qui est plus un asiatique physiquement, et assez, on va pas se mentir, assez gros. Il est enveloppé. Là, c'est plus un costaud, parce qu'il est plus carré, le gars. Là. Okay, ouais, et c'est clairement un blanc moustachu, je sais pas, mais ça me flingue, parce qu'il s'appelle toujours Larry Chiang. Donc ça alors me flingue. C'est un charcutier allemand. Il fait ça les mêmes brasseries. Donc, ouais, ça, je sais pas pourquoi. En vrai, je sais pas pourquoi ils ont censuré ça, parce que, honnêtement, en fait, ils ont... c'est là où tu te rends compte que finalement ceux qui censurent ont presque un esprit plus tordu que ceux qui ne censurent, enfin qui seraient contre la censure. Parce oui, que oui. Moi, à aucun moment, j'ai fait un lien. Mais là, je me dis, ils ont dû se dire, un asiatique obèse dans une boucherie, les gens vont faire un truc genre, les asiatiques mangent les chiens, tu vois, des trucs. Genre, ouais, ouais, mais qui va penser ça? Ça n'a aucun lien. Non, clairement. Ça n'a... Mais de le faire, bah du coup, oui. Tu te poses la question, bah et oui. Du coup, là, tu le fais le lien, en mode genre, mais c'est ça que vous avez trouvé comme lien? Vous êtes tarés, les gars, calmez-vous. Oui, parce qu'en plus, dans sa boucherie, il y a que des. Bah, c'est, ouais, c'est des boeufs. Des bœufs, bof, bah, c'est, ouais, c'est normal. Ou des cadavres humains, parce que c'est un psychopathe. Oui, oui. Mais en même temps, c'est un psychopathe, c'est comme le mec qui dit Viet Cong, machin. Il y a un moment, c'est un méchant. Il est raciste. Bah, c'est tous des c'est méchants, normal, enfin, non c'est... Attends, je vois pourquoi. Je... Bah, et sinon, il n'y a plus de raison de le tuer. Et par contre, un bisounours. Par contre, dans les trucs très étranges qu'il y a dans le jeu et qui sont passés,
Et ça, je ne capte pas. C'est pas que je voudrais que ce soit censuré, loin de là. Ouais. Je suis plus du genre à dire laisser tel que c'était. Oui. C'est un peu une vitrine d'avant. Le monde change soit. Ouais, comme une photo. Mais bon, il y a un moment. Il y a un moment, tu vas pas non plus commencer à remodeler le passé. Ça n'a aucun sens. Et, oui, et là, pour le coup, genre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils te censurent tous ces trucs. Par contre, il y a une meuf dans la secte. Enfin, quand tu vas te battre contre le chef de la secte, il ouais. y a une meuf que tu peux sauver. Que j'ai pas sauvé dans la run en let's play parce que je l'avais zappé, elle est dans un placard. Quand tu la sauves, elle est là en mode genre je ferai tout ce que vous voudrez si vous me sauvez la vie. Et puis Franck il répond en mode genre tout ce que vous voulez. Et là j'étais là genre ah ça va, ils ont laissé une petite vanne, oui. ça va, y a rien de bien méchant. C'est pas trop lourd quoi. Tout va bien. Mais par contre, plus tard dans le jeu, moi vu que j'ai fait tous les persos et j'ai sauvé tout le monde, ouais. bah arrivé au dernier jour, il n'y avait plus rien à faire. Donc, en gros, je passais mon temps, j'attendais, je pouvais passer le temps, mais je pense je m'amusais ouais, un peu plus à juste me promener. Et du coup, j'ai reçu les appels qui consistent à, concrètement, par exemple, le pyromane, si tu le sauves, bah après, il te donne des cocktails Molotov infinis. Okay. Tu vois, des trucs comme ça, des petits bonus. Je dirais dire, il fout le feu à ta base, mais... À un moment, t'as Otis, il m'appelle, et il me dit, machine, la blonde, elle veut te voir... Franck, elle est super sexy, tu devrais pas rater cette occasion. Je dis, mais de quoi on parle? J'y vais, et la meuf, il y a, le, comme à l'époque, le photoshoot. C'est-à-dire qu'en gros, la meuf, elle est en petite tenue un peu, enfin, ouais. elle est en robe bien serrée, on va dire, bien moulante, et elle prend des poses, mais genre, plus que évocatrice, genre, elle écarte bien les jambes, tu vois, pour que tu prennes des photos. Et j'étais mort de rire, parce qu'elle lâche des phrases bien osées dans le truc. J'étais là, mais ça, ça passe. Oui, alors qu'en plus, ils ont... enlever la mécanique des photos érotiques. Oui, du coup tu prends juste des photos d'elle et c'est marqué dramatique et j'étais plié en deux. Parce que j'étais là, mais vous vous rendez compte de la non-logique où on en est arrivé, oui, c'est qu'on a tellement stupide. Peur de choquer ouais. qu'on en vient à faire n'importe quoi. Alors que finalement, t'aurais laissé le jeu tel quel, il y aurait peut-être eu un ou deux connards qui seraient allés faire chier sur Twitter, mais la majorité aurait dit, bah... C'était comme ça avant, tant mieux, ils ont pas voulu bousiller l'original. Ouais, alors je dis pas ils l'ont pas bousillé, moi ça. Je dirais un côté du plaisir à jouer. Enfin, c'est un monde où il y a des zombies. Et les gars, d'ailleurs, je tiens à vous vouer mon plus grand respect à vous, petite team qui a dû faire ce portage, parce que je pense pas qu'honnêtement les gars étaient à fond dans cette mouvance ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils sont juste dit c'est trop risqué pour certains c'est trucs. Possible, alors, oui. Certains trucs où je les défendrais pas, genre l'asiatique, je comprends pas. Oui, c'est ça, mais c'est horrible de se dire que les gens en viennent à en fait au final s'auto-censurer pour rien risquer. En fait. C'est ça. Parce que du coup, tu peux plus parler, tu peux plus communiquer. Oui. C'est un coup de chance, mais comme les humoristes, il y en a qui ont dit, genre, pour telle blague, j'aurais pu faire... Enfin, j'aurais fait le même genre de blague. T'as pu faire un scandale. C'est ça, j'aurais pu tomber dedans. Mais, tout, quoi. Là où je les respecte, et ça se voit que c'est des vrais fans de Dead Rising, et je me demande si typiquement cette scène-là... Parce que comme je disais, tu vois, genre, ils ont développé le jeu. Donc, oui. ils ont conscience qu'il y avait ça dans le jeu. Bah oui. Et ils ont conscience qu'en plus, tu prenais des photos dramatiques, c'était très con. Oui. Moi, je me demande s'ils l'ont pas laissé volontairement possible, pour montrer un petit peu. Mais bon, ça, on va dire, c'est de la supposition, donc je vais pas aller plus loin. Par contre, là où c'est pas de la supposition et où je les applaudis, si j'avais même pas remarqué, on l'a même pas dit en live, ils l'ont sorti le 19 septembre. Soit la date où on arrive dans le jeu dans le centre commercial. Ah, okay, et du coup, je l'ai fait sur les trois réels jours. Stylé. Et je m'en suis même pas rendu compte. Et je trouve que ça, tu vois, les vrais fans, tu vois. Genre, les gars se sont dit, vas-y, on le sent le 19 septembre. Et ça, c'est stylé. Mais voilà, c'était ma petite parenthèse Dead Rising. Non, sinon, honnêtement, très bon jeu. Moi, je kiffe. Ceux qui découvriraient par celui-là, bah, ils kifferaient parce que il a quand même des petits avantages qu'il n'y avait pas à l'époque, des petites sauvegardes, des machins. Et ça n'empêche que l'ensemble marche bien. Il y a très peu de censure, à part ce que je vous ai dit là, et peut-être une ou deux petites phrases, et même qui n'ont aucun sens. C'est, en fait, limite, je comprends pas pourquoi. Non, par contre... Il n'y avait rien d'ultra clivant dans le jeu. Petit coup de gueule que je vais balancer à Capcom. Assis. Par contre, Capcom, si vous m'entendez, mais je pense que c'est mort, jamais ils écouteront ce live qui aura deux vues, c'est pas grave. Mais Capcom, les gars... Je pense pas qu'ils parlent français aussi. Ouais. Capcom, my friend, you know. Non, mais... Les gars, j'ai découvert un truc horrible. Quoi. Et ça, si heureusement que Bob n'est pas sur le live, parce que qu'est-ce je pense qu'il pèterait les plombs. Il pèterait les plombs. J'ai découvert que la voix de Frank West de Dead Rising, la vraie voix de Frank West, elle bosse encore chez Capcom. Ah. Et qu'attends, mec, il a fait des doublages dans le dernier Resident Evil. Donc il double encore. Pourquoi ils l'ont pas pris? Et la seule réponse qu'il donne, il a donné en tweet lui-même. La voix c'est sa voix qui a trop vieilli. Non, il a juste dit, bon, juste pas appelé. Ah, ok. Mais il a dit,
il leur souhaite le meilleur et il souhaite surtout que le nouveau fasse quand même du bon taf parce qu'il kiffe cette franchise. Il n'y a pas eu d'autres raisons. Parce qu'en vrai, même si eux, ils avaient dit, ben, on a trouvé que sa voix avait un peu trop changé, on voulait retrouver un truc. À ce moment-là, alors d'accord. Parce que, mais alors, attends. En disant si le gars filme, sa voix elle change. Ok, ça pourrait. Mais ils n'ont rien dit du coup. Non, mais donc, mais alors attends. Alors pourquoi tu mets des cheveux blancs? Ah, ils l'ont vieilli. Bah, ils l'ont vieilli dans le jeu. Ouais, bah, ils l'ont vieilli et ils lui ont foutu une voix beaucoup plus jeune qu'à l'époque. C'est que là, il a une voix de petit jeune en anglais encore. Il double quoi, t'as dit Resident Evil? Non, c'est ça qui m'a flingué, c'est qu'apparemment, il a participé à Resident Evil 2 Remake HD. C'est-à-dire, pas le dernier, mais un des derniers qu'ils ont fait en HD. Mais exactement comme là, ils ont fait pour Dead Rising. Mais est-ce qu'ils l'ont pas planifié parce qu'ils ont préféré l'avoir sur Resident Evil? Non, mais ça me flingue. Non, mais ça me flingue parce que ça veut dire que, genre, il l'avait sous le coude. Et putain, mais quand tu l'écoutes, il fait le docteur, je sais plus quoi. Oui, il l'avait sous le coude, mais peut-être qu'il fait les deux trucs de parce que tu l'entends dans Resident Evil, et t'es là, mais il a pas changé. Oui. Tu reconnais Frank West instantanément, et t'es là, mais merde, putain. Ah, c'est dommage. Parce que là, j'aurais été un peu moins méchant sur les censures. Là, je suis un peu plus incisif parce que justement, en plus, j'ai même pas mon vrai Frank West, tu vois. Et que, on va pas se mentir, la plupart des doublages sont un peu. Sont mezzo. Ils sont pas tous fous. Bon, après, je l'ai pas dit d'ailleurs, vous l'avez jamais vu, mais la VF est une catastrophe. Le pire étant le mec dans le store. Vous vous rendez compte que les sous-titres. Bah, en fait, vous voulez savoir ce que c'est la VF? Vous avez qu'à regarder les lives qui seront bientôt diffusés sur notre chaîne YouTube. Ouais. Vous regardez les sous-titres. Les sous-titres, c'est ce qui est dit en français. Ah, ils ont pas. Parce que j'ai badé à un moment dans le magasin quand on rencontre, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec. This is my store. Ouais, je vois. Ce gars-là, le fou. Avec le chariot. Bah, en sous-titre, c'était écrit quoi Allez-vous-en. Et j'étais là, mais pourquoi? Genre, il dit This is my store. Ouais, c'est mon. Et ils ont traduit Allez-vous-en. Et t'es là, pourquoi? Et. En fait, c'est parce qu'il hurle ça. Il fait genre « Allez-vous-en !» Et t'es là, mais c'est nul. Oh, c'est nul. Ouais. Oh, c'est nul. Et il y a plein de trucs comme ça où tu te dis bah, « C'est un peu dommage. » Après, ça fait plaisir d'avoir une VF pour rigoler. « C'est mon magasin !» Peut-être que ça marchait pas trop. Avec le... Avec la labiale, ouais, je suis d'accord. C'est peut-être ça. Hein, ouais, je suis d'accord. Et puis non, mais moi, ce qui me choque, c'est surtout bizarre. Que quand tu regardes les VF de Resident Evil Remake, bah, je suis désolé, moi, je suis un des premiers défenseurs de ces VF. Parce que d'avoir mis la voix de... James Franco à Léon Kennedy, là, enfin, au héros de Resident Evil, je trouve ça stylé. Ça me va en VF, oui. Ça me va très bien, il a une gueule à avoir cette voix, ça me va, tu vois. Mais là, Frank West, ils lui ont foutu une voix, je connais pas, de petit jeune, et c'est perturbant parce qu'ils lui ont foutu une tête de vieux. Et donc, oui, c'était encore plus perturbant. Alors qu'ils auraient repris l'ancienne, limite, il a vieilli, ça nous aurait moins choqué avec la gueule qu'il a. J'ai pas pensé au fait qu'il avait vieilli dans le jeu aussi. Mais voilà, désolé pour cette très longue parenthèse de... Ça va, 13 minutes. Ça va. Putain, j'ai oublié de brancher le réseau en plus. On va faire l'enquête 10. Non, la dernière fois, il y avait des gens qui se faisaient empoisonner. T'as un petit commentaire sur un petit film, un petit machin. J'ai vu le dernier Miyazaki. Ouais. C'est le plus récent que j'ai vu, je crois, récemment. Il est bien. En vrai, très cool. Il y a... Il s'appelle comment? C'est Le Garçon et le Héron. D'accord. Et le Héron était vraiment trop trop stylé. D'accord. Genre, en termes de méchant, il est trop cool. C'est juste, en fait, je veux pas spoiler, mais disons que son personnage change après. Et c'était un peu dommage, parce que je le trouvais trop trop bien sur tout le début. Ouais. Et l'autre... En vrai, le film est cool, c'est Joe Hisaishi à la musique, les musiques passent toujours très bien. Okay. Il a fait des musiques de Takeshi Kitano, presque tous. Ah oui, d'accord. Donc, il a fait de l'électro, des trucs piano un peu, et tout, orchestre pour Miyazaki. Et les musiques passent, l'animation est cool, il a commencé à mettre du... C'est son dernier film, je crois, il a genre 80 ans, le gars, il met enfin du 3D dans ses films. Il en a mis un petit peu, mais en fait, il parle de la guerre. Mais il l'utilise pas dans le récit, en tout cas je l'ai pas... Okay. Peut-être je suis passé à côté de quelque chose, je sais pas. Ouais. Mais je trouvais un peu dommage là-dessus, mais sinon sympa. En plus sachant que il a dit que le film il le faisait en gros pour faire comprendre à son petit-fils que faudra lui dire au revoir, oui. Entre guillemets, tu vois. Et oh c'est joli. En vrai ça passe bien, et tout le temps c'est un bon moment. Le film dure une heure, un petit 2 heures peut-être, 1h40, 2 heures. Je sais pas, moi je t'avoue, j'ai pas vu le temps passer. J'ai presque pas vu de Miyazaki. Faudrait que tu regardes Porco Rosso. Tellement pas. Moi je regarde Porco Rosso, il te plairait. Ouais, parce que narrateur et personnage principal, c'est la même voix. Ouais. Et c'est Jean Reno. Oh merde, ah oui, alors je veux le voir. Je veux le voir. Celui-là, tu peux vraiment. Genre, il te plairait. Ah, je veux le voir, ouais. En plus, il a un personnage bien cool. Putain, Jean Reno à la voix. C'est un aviateur. En gros, c'est le Baron Rouge un peu. Ah, c'est trop bien. Enfin, il se bat contre le Baron Rouge, lui, c'est un. Ah, c'est trop bien. C'est un homme cochon. Ah oui, ça me dit quelque chose.
Et avec sa voix, ça passe vraiment nickel. Tu te laisses bercer pendant, ouais, bah oui, pendant l'heure et demie, 2 heures. Tu m'étonnes. Il y a lui, il y a la voix de... Les autres voix, je pense qu'il y en a aussi des connues, parce qu'il y a toujours des gars connus en vrai au doublage. Ouais. Et non, c'est très cool. Ok. Bah, c'est bien cool. Il y a peut-être même Cartman à un moment. Non, je sais pas si le moine il a doublé dans du Miyazaki, c'est possible. En fait. Je sais pas. Ouais, bon, après, ils ont fait plein de choses, hein, je t'avoue. Moi, j'aimerais bien les entendre un peu partout, là. Mais je t'avoue, j'étais en train d'analyser, moi. On va jamais se lancer, c'est trop drôle. Désolé. Hein. Bah, tu vois, c'est la personne, bah, les coups. Et on est là pour se marrer, on est là pour discuter aussi. Bah oui. Mais ce que j'ai remarqué, là je me suis, je suis retombé sur Southland Tales. Ouais. Et j'ai revu un bout. Et je trouve, en fait c'est le destin, c'est très drôle parce qu'on en a reparlé avec Bob. Et le destin a fait que je suis tombé dessus dans un de mes disques durs parce que je cherchais un truc pour un montage. Ouais. Et en fait, genre, j'ai juste revu une petite scène, et en revoyant ces scènes et tout, je lui l'avais dit d'ailleurs, juste en réécoutant une musique, j'ai dit, c'est marrant comment, genre, le cinéma actuellement arrive plus à me transmettre des trucs qu'il transmettait avant, même sur des films qui sont techniquement pas fous non plus. Alors, oui, j'adore ça, Sentel, mais il a plein de défauts, tu vois. Mm-hmm. Mais, et je me demandais, en fait, ça fait combien de temps que j'ai pas... À part, je parle pas dans le cinéma... un peu underground, parce qu'il, ouais, y a forcément des trucs, le dernier Nicolas Cage, que je t'ai toujours pas montré d'ailleurs, je suis sûr qu'il te fera kiffer, Dream Scenario, ça c'est bien, ouais, faut qu'on le note dans le cerveau, parce qu'il faut que je te le montre, je suis sûr qu'il va te plaire, il a vraiment une patte à lui, cool, il a quelque chose, il te transmet quelque chose, ouais, tu vois, mais il me manque ce petit truc, à part dans les cinémas genre asiatiques, typiquement, où je trouve, il y a pas mal, même encore, ouais, maintenant, il y a des trucs assez fous, quoi, assez fous. Il y avait là, quelques temps, j'avais vu un truc suédois, ou un truc du nord de l'Europe, en gros, c'était White Noise. Oui, c'était des sortes, je t'avais dit, c'est des sortes de terroristes musicaux. Ouais. Et leur premier truc, c'est ils vont dans un hôpital et puis ils prennent un gars qui a une bonne caisse de résonance. Ouais. Puis ils l'emmènent en salle d'op et ils jouent avec les tuyaux, ils font toute une musique. Ouais. Et la musique, bah, elle est pas faite vraiment comme, ouais, ça, mais t'as des bruits de tuyaux, t'as des bip, ouais, bip et tout. Et en vrai, tout le film, beaucoup axé sur la musique, mais plutôt chouette. Juste la dernière demi-heure se perd un petit peu, ouais, c'est dommage. Et mais en vrai, c'est plutôt cool. Mm. Ça passe bien, ouais, mais... puis te faire ressentir les choses. Mais tu vois, justement, moi, ça, je trouve que je ressens... Alors, après, à part sur, justement, le cinéma un peu underground ou étranger, entre guillemets, quand je dis étranger, ouais, j'implique pas, coréen, pas US ou pas France, oui, ou pas les classiques, on va dire, ouais, voilà. Mais, en tout cas, le cinéma US, moi, actuellement, il me fait plus rien du tout. Un moment, j'en ai pas vu. Mais genre, vraiment, ça fait un bon moment, hein. Et c'est chaud. Je pense que c'est dû à l'industrie, clairement. Ouais, un des derniers qui m'a marqué... En tout cas, qui revient automatiquement, ouais, c'est Traîner sur le bitume. Ok, ouais. Parce que celui-là, il m'a marqué. 2018 ou 2016, ouais, par mais là. Celui-là, il m'a marqué. Ah, il mais comme un The Place Beyond the Pine te marque, tu vois. Ouais. Ou comme un, justement, un Southland Tale, un Denis Darko. C'est des trucs genre, tu t'en rappelles pas par cœur. Oui. Mais tu sais que dans un coin de ton cerveau, tu les as vus et tu... T'as une image qui vient quand tu penses au film, tu vois. Comme des Wes Anderson ou comme ça. Exact, ouais, comme des Wes Anderson. Même si moi je sais que le dernier m'avait moins marqué. Bah, tu vois, ouais, si pareil, tu me le dis, j'adore Wes Anderson. J'ai des trucs quand même. J'ai juste beaucoup le décor. C'est le dernier. Vois, pour moi, je suis bloqué sur l'île aux chiens. Ah putain, oui, la météorite. J'étais bloqué sur l'île aux chiens. Je vois le désert, comment il est, tu vois, visuellement. Après, c'est peut-être parce qu'on vieillit et que notre disque dur cérébral arrive à saturation du film. Et puis, bah, il y a le fait qu'aussi quand un film te fait ressentir une émotion que t'as déjà connu, comme ça te marque moins au fil du temps, ouais, tu vois, parce que t'as un peu pris une certaine habitude. Après, il y a aussi le fait que je pense qu'il y a des films qui osent plus être violent entre guillemets avec le spectateur, pas lui montrer des trucs violents, mais d'un coup faire des cassures vraiment de bah style. Bah oui, ça aussi, ça, ils aimaient bien à l'époque faire des trucs comme ça. Moi, j'aime avoir 5 minutes, un truc que j'adore, même tu te sens un peu mal dans ce film, c'est un truc que j'adore et qu'ils osent plus trop faire dans les films, c'est quand tu suis un héros ou une héroïne et quitte le but à la moitié du film. Ouais, je vois. Ça, c'est chaud, parce que souvent, c'est vraiment dur. Oui. Et t'es souvent là, genre en mode, non mais attendez, quoi? Et ça, je trouve que c'est la bonne surprise. Ça peut être la bonne surprise. Le truc d'horreur qu'on avait vu l'autre fois était sympa. On suivait le tueur. Oui, oui. Avec le collier, là. Oui. Il avait des bons plans, oui, et tout. Il avait, oui, mais, bien à l'ancienne. Après, il était pas... Alors oui, il était cool, mais c'était pas... Il y avait pas... Oui, puis c'était un petit oui, voilà, petit truc aussi. Moi, je te dis, genre, par exemple, je sais pas si tu visualises... Bon, là, si je dis ça, c'est du spoiler, parce que je viens de dire clairement le héros meurt à la moitié du film. Mais il y a un film que j'adore, qui pour moi représente à mort les années 80, mais je dirais pas son nom. Et dedans, vraiment, t'as un moment, mais c'est cultissime. Parce que tu suis un héros, tu t'y attaches à mort. Ouais, et vraiment, il se fait comme une merde.
comme une merde. Un peu comme Brad Pitt dans le placard, tu vois. Oui, je vois. On est à peu près au même niveau. Ça, c'est un bon exemple parce que tout le monde connaît cette vanne. Oui, donc, au moins, je spoil pas grand chose. Mais tu vois, c'est au même niveau que ça avec Brad Pitt dans le placard où tu t'attaches à un personnage. Sauf que Brad Pitt, là, c'est pas le héros. Là, pour le coup, c'est vraiment le mec, on le suit de A à Z. Et puis, il se fait dégomme. Je me rappelle même l'endroit, c'est genre dans des casiers nuls. C'est genre le mec, il est en train de se changer dans un vestiaire et il se prend 3 balles. Et t'es à quoi? Non, mais attends, je crois qu'il se prend un headshot en plus. Okay. Vraiment, genre, bon, en mode, il reviendra pas. Dans tout ce qui est film de. Mais je crois qu'il y a un film asiatique où il y avait eu ça aussi. Mais parce que c'était un peu triade et tout, et forcément, ben, déjà, il arrive un moment où il. En fait, juste par surprise, un peu comme dans Un Parrain ou comme ça. Toi, ouais, tu peux pas. Bah, en fait, le gars, il boit son café et puis il va se faire descendre là. Et ça fait partie de sa vie. Et le reste, après, ce sera le reste de comment ça. S'il y a une vengeance parmi ça ou bon, allez. Du style. Après, 20 minutes, ça va. Que 20 minutes, ça va. On a été dense. C'est honnête. Après 20 minutes de parlotte, on va se lancer. On active nos cerveaux, c'est parti. L'enquête reprend. Bon, on ne sait pas de quoi il y a en retour. Mais il n'y a qu'un endroit au moins. Ok, oui. Non? Il y a du monde en bas. Il n'y a qu'un endroit? Non mais attends, il peut pas y avoir qu'un endroit. Il y a 46 trucs à trouver. Ouais, 12, on en a déjà 12. Pourquoi on en a déjà 12? Je sais pas. Comment ça se fait qu'on en a déjà 12? Ah ok. On va devoir me donner des numéros. Putain, on va falloir faire un plus ou moins, on avait raison. Oh non! Oh non, yes! Oh le coup de bol! Oh yes! Oh le dessin est avec nous. Bon allez, on va commencer. Silencieux. Ouais, attends, on va le refaire en mode un peu, tu sais. Voilà, désolé pour les oreilles. Voilà. Alors. Le pliage quel de la soulagement qu'il n'ait pas engagé de poursuites liées à la mode. Attends, je vais prendre ton mot, bâtard. J'espère que le processus n'est pas douloureux. Attends, comment ça? Attends, je relis la phrase. Un truc lié à la mode, et c'est peut-être douloureux. Donc c'est réellement un tribunal, j'avais raison. C'est un procès. C'est un tribunal, c'est pas une salle de classe. C'est un procès. Ouais, parce qu'on a essayé de trouver un titre par rapport à l'image. Et du coup, on hésitait. Hein? Il a les yeux tout blancs. Oui, vas-y, pardon. Il fait peur. Non, il a des lunettes. Ouais, bah ça fait des yeux tout blancs, tout. On dirait Ozzy Osbourne, mec. C'est lui, il a trouvé la statuette, c'est pour ça qu'il est toujours vivant. Au lieu des lunettes noires, il a des lunettes blanches. Alors vas-y. Ce tribunal est une farce, il répand des mensonges. J'ai oublié mon rôle. Comme quoi mon amour ne serait que simple désir, et puis que savent-ils seulement de l'art véritable? Oui. Il est vénère, le monsieur. Il aime pas ce tribunal, en gros. D'accord. Oh. Je savais que j'aurais dû boire moins. Maintenant, les pauvres âmes que nous sommes, allons connaître le courroux divin. Mon vieux squelette tremble. C'est bien ce système vocal qui comprend quand on dit le mot. Ouais, t'as vu, c'est automatique. Fait rêver les gens. Vas-y, attends, on va prendre le petit vieux là, vas-y. Merde. Quelle beauté que de voir la justice l'emporter. Ah, lui il est content. Si cela n'allait pas à l'encontre bah, c'est, de la en même première temps, vertu, j'ai je que serais extrêmement heureux. C'est lui qui a décidé le verdict, c'est bah, ça. Oui, mais en même temps, c'est quel un peu beau... lui, là. C'est beau de voir la justice l'emporter. C'est moi qui décide. Ok, donc on sait que ça va à l'encontre de la première vertu. Ouais. Attends. Non. Attends, non. Si cela n'allait pas à l'encontre de la première vertu, je serais extrêmement heureux. La justice l'a emporté, mais ça va à l'encontre c'est, de la première c'est la justice vertu. Qui l'emporte qui a la, l'encontre de la première vertu. Putain. Vas-y. Du coup, il est pas content, en fait, aussi. Historique des... Alors, attends, voilà. Monsieur citoyen. Nicolas Maker. On le connaît, lui. 1757. Archiviste du Parti de l'Ordre. Parti historique de l'Ordre. Des infractions et de désobéissance. A daté un protocole à la date de jeudi alors qu'on était un mercredi. Oh, mon Dieu. C'est grave. Oh, mon Dieu. On va être en prison. A pris une double pause déjeuner au bureau. Dieu. Mais putain, mais c'est la chaise électrique là. Normalement, chaise électrique. Non, bah non. Ah, il a gagné plus des. Attends, il a gagné des points. 1757, guillotine, donc, c'est possible. Moi. Pendaison. Ouais. Guillotine. Guillotine, c'est un peu plus tard. Hein. Service loyaux. Oui, bien sûr, je disais chaise. Service loyaux au parti de l'ordre à un poste subalterne, plus 10 points de mérite. Attends, donc il a plus 4. C'est intéressant. Donc on sait que ça et ça. Ok, il va falloir déterminer qu'est-ce qui vaut combien. Oh mon Dieu. C'est ça le but. D'accord. On sait que ça et ça, ça vaut 6. Non, attends. Oui. Attends, 0. On part à 0. Imagine le mec part à 0. Oui, il finit à plus 4 en gros. Donc plus 10. On dit plus 10. Donc il est à 10. Bah, donc, il prend le mérite. Donc il y a 6 là. Il y a 3 ou 2, 4 ou 1, 5. Ok. On retient à peu près. On double retient pause déjeuner. Attends, on est déjà trop parti. Attends, regardons un peu tout d'abord. Nicolas, vous trouvez, j'en suis sûr, que le nouveau régime me récompense désormais votre diligence. Alors dites-moi pourquoi je vous ai vu dépenser plus de 3 shillings. Oh mon Dieu!
en nouveaux vêtements. Après, un malade. Je lui ai demandé de me prêter de l'argent si vous m'avez répondu de ne plus en avoir. Ouais, franchement. Ouais, ça c'est pas quel rat. Je vous conseille de m'en prêter sans délai. Attends, de m'en prêter. Oui. Ah oui, oui, il doit lui prêter. Prête pas de la thune. Oui, je crois qu'il lui remboursait de la thune. Donc non, ça va, il a le droit. Ah putain, il a violé la quatrième vertu du coup. Donc on sait que la quatrième vertu, il y a un rapport avec la thune. Ce qu'il veut pas prêter, c'est ça? Ouais. Attends, non. Ah, la quatrième vertu. Je conseille de me prêter sans délai, à moins. Ah non, il le menace de. Oui, non, mais où est-ce qu'il le dénonce, tu vois, parce qu'il va pas lui prêter, c'est ça, la quatrième vertu, de pas prêter un pote? Non, je pense que. Ou est-ce que c'est parce qu'il a dépensé de l'argent pour des nouveaux vêtements? Je pense que c'est les nouveaux vêtements. Il le menace de. Enfin, il veut sa thune, du coup, il lui dit si tu me la donnes pas, je te menace. Genre, oh là là, il est trop capitaliste, il s'est acheté une nouvelle paire de chaussures à 3 shillings. Ouais, ouais, il est. Alors, tribunal du peuple hebdomadaire du parti de l'ordre numéro 42, comme par hasard. Comme par hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. 14 mars 1725, 6 coupables sont amenés au tribunal. Midi. Le tribunal ouvre ses portes. Midi 15. Chacune des accusations des coupables est évaluée et les changements de mérite sont calculés. Ok. 3h10. L'extorsion de mérite du premier coupable. Pourquoi je vais le prendre? Attends, juste ça va me perturber un peu. Excusez-moi. L'extorsion de mérite du premier coupable commence. 15h20, l'extorsion de mérite du deuxième coupable commence. 15h35, l'extorsion de mérite du troisième coupable commence. On a un horaire et des coupables. D'accord, on en a 6. Il y en a 3 là. D'accord, j'ai compris. Donc là, en gros, on est pile. Là, en gros, lui, c'est le prochain à être jugé. Lui. Ouais. C'est ça. Là, on a le dernier jugé qui, apparemment, n'a pas eu un bon jugement. Tu vois. Genre, le jugement n'a pas l'air très cool. Ouais, il. Un homme. Oh, aucune blessure visible. Plus, il est juste mort parce que. Tu sais qu'en leur enlevant des points, ça leur enlève des points de vie. Il a fait une crise cardiaque comme. Mais quoi. Il a une lettre sur lui. Vas-y. Alors. Oh, prince du attends, crépuscule. Ah, j'ai cru que c'était un poème. Je suis un peu déçu. Je crois que ça arrivait. Nuit, si tu veux, je le lis comme un poème. Vas-y, merci. Comme la nuit, je suis sombre. Et la terreur s'empare de nuit pour que ça rime. C'est lui. Je ne crains pas l'amour, ne vous méprenez pour. Quand vous me connaîtrez mon nom, cherchez mon visageon. Mon visageon. Ça rime, mon fameux. Ok. Ah merde, il y a autre chose, il y a une ascension, il y a en haut. Ah, il y a quelque chose de plus, j'attends de me le dire. Ouais, il y a des escaliers. Pauvre diable. Je n'avais pas vu autant de mérite retirés au tribunal. Certaines erreurs coûtent très cher. Ok, donc il y a des erreurs qui coûtent vraiment très cher. Ouais. Il a un billet en francs d'Albion. Ok. Putain, Albion dans... Online, le jeu là, tu sais. Ah, moi je pensais à Albion. Je pensais ouais, à Albion dans. Albion Dumbledore. Fable. Je connais pas. Ok, lui aussi il a une carte. Alors il s'appelle David Goran. On s'en fout, exécuteur. Ok, c'est celui qui tue. Donc. L'historique des infractions. Alors, moi. Posséder un compartiment secret dans le meuble de son bureau. J'avoue, là, c'est moins 20 points là, pour Gryffondor. A nier la présence du dit compartiment secret. Ouais, ok, bon, là, au moins, on sait. Là, au moins, on sait. Mais il a fini à plus 8. Ouais, enfin... bah du coup, on sait que c'est 1-1. Ouais, c'est pas grand-chose, du coup. C'est 1-1. Attends, c'est juste moins 1. Ouais. Alors que l'autre, il a pris moins 4 pour avoir, genre, raté... Double pause déjeuner et puis ouais. Raté... changé un jour. Là. Il a mis mercredi au du... Ouais, mais ça, c'est une erreur grave, ça, je comprends. Okay. C'est celle qui valait 5 points, peut-être. Ouais, bah clairement, ou 8 points, tu sais, genre, bam. Non, je rigole. Ok, là on a un dessin. Souvenez-vous de la deuxième vertu. Donc la paresse, c'est la deuxième vertu, pense. Ok. On a déjà une vertu. C'est bien, il y a un côté avec Seven. Troisième vertu, c'est la luxure. Les habits neufs. La luxure, les habits neufs, t'as raison. En habits neufs. Putain, là, il est devenu capitaliste, il s'est acheté des chaussures. On a fait tout le monde. Ouais. Oh putain, attends, what. Il est ultra haut, leur bureau. Wow. Ok, en fait, c'est pas le, c'est pas le juge, ça doit être l'avocat. Ah non, lui, c'est juste le mec qui écrit le. C'est le. Ouais, ça doit être le. Oui, c'est le. D'accord. Le dactylo, là. C'est le dactylo, ok. La secrète. Donc là, c'est le juge, ok. Quelle douce musique à mes oreilles, Alistair. Il y a de nouveau un Alistair. Mais veuillez contrôler vos émotions. En tant que juge de l'ordre, jamais nous ne devons enfreindre la première vertu. On sait pas encore, hein, la première. Attends, alors lui, il en a de la thune. Des billets en francs d'Albion. Ah, il est riche. Ah, vas-y, on peut voir ton carnet. Putain, il a plus 12, lui. Il a triché. James Turner. Putain, ouais. Alors, a bu toute une bouteille de brandy lors d'un pique-nique. Conservait le livre Héritage de la dynastie de Rose dans son bureau. Putain, on l'avait déjà vu, ce livre. Ah ouais. Je sais plus où, ouais, dans un épisode précédent. Ça, je m'en rappelle pas. Service loyaux au parti de l'ordre, plus 20 points. Donc là, il y a un moins 8 avec ces deux trucs. Je pense que le brandy, ça a dû faire un moins 7.
Non, je sais pas, ou le livre, c'est peut-être très grave. Mais en fait, ça dépend, faut juste en fait rattacher chacune de ces trucs à une des vertus. Faut qu'on trouve les quatre vertus. Oui. Ensuite, on pourra déterminer, genre, ça, ça vaut deux points. Bah, on en a pas. Ouais, on en a deux, mais typiquement, genre, attends. Bah, attends, en fait, regarde, on pourrait déjà commencer un truc dans l'enquête. Regarde. Lui, c'est le seul où on sait, genre, que ça vaut un point et un point. Genre, qu'est-ce que c'est le point commun entre ces deux trucs? Il a menti, enfin, il a nié. C'est le secret. C'est le mensonge. Le mensonge, c'est un point. On sait que le mensonge, c'est un point. Les habits, ça doit être 3, par exemple. Si c'était. Enfin. On va voir. Mais dans le sens, là, lui, du coup, techniquement... Non, donc là, il n'y a pas de mensonge. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Non, là-dessus, pas encore. C'est plus, genre, il a fait de la gourmandise ou un truc comme ça. Cher docteur Turner, je suis au regret de vous informer que lors de votre absence des affaires du parti, votre assistant en chef, Daniel, a fait preuve d'un extrême désordre et a enfreint l'une des vertus. Est-ce que... Le désordre est une vertu ou ça fait partie de la paresse? Peut-être la paresse. Putain, il y a une porte là, il y a encore plein d'endroits. Attends, c'est pas fini. Il y a encore plein de choses, ça va. Waouh. On a les 6 de... Non, on en a que 5. Pourquoi on en a que 5? Il est où le 6ème? 6. Attends, je vais d'abord faire les gens. Ouais. Vas-y. Qu'insinuez-vous, James? Je n'enfreindrai jamais la 4ème vertu, vous savez parfaitement que je n'ai pas de secret. La 4ème vertu, c'est les secrets. Ouais, mais on a vu que c'est un point. C'est pas grave, la 4ème vertu. Oui, mais c'est un point. 12 fois un point. Oui, non, bon. Ou il triche l'autre, je sais pas, il est arnaque. Si tu manges 4 jours, tu vois. Alors lui. Story des Alistair Corps. Ah oui, Alistair Corps. Il a giflé un sergent sous la colère, au-dessus de la colère. Violence. Il a écouté de la musique de marche militaire dans son manoir. Et lui, il a un petit. Il porte une petite moustache de temps en temps, c'est étrange. Donc ça lui a valu 9 points quand même. Et à part ça, il y a colère et violence, je dirais. Et puis ça doit être comme le livre, un peu, tu sais, la marche militaire. Ouais, ça doit être genre... dissidence ou enfin... Ouais, genre faire un truc qui n'est pas en rapport avec l'ordre. C'est ça. T'as raison. La liberté de... T'en es bon, là. Cher, juste... Corps. J'écris pour vous informer que le colonel de notre régiment... Ça s'appelle comment, déjà, le mec qui dit... C'est de la merde. Ce ah, Jean-Pierre bon... Kopf. Ah oui, oui, c'est pas Jean-Pierre Kopf. Cher cuisinier Kopf. Et à son âme. Hein. Oui. Il était cool en vrai. Il était, trop, il était trop bien. Ça il dume là, c'est de la merde. Ouais, il était trop vénère. C'était trop drôle. Mais il avait raison en vrai. Quand on... Après, on a... personne n'a écouté. Mais en même temps, tu vois, mon émission en question, moi on me met des saucisses comme il a là. Ouais. Genre jamais je les achète. Non. Non mais je parle les artisanales là, y a pas de problème. Mais les industriels, ok, c'est pas bon l'industriel, mais y a quand même plus beau que ce qu'ils avaient là. Parce que là, putain de merde, elles sont jaunes les saucisses. Oui, oui, c'est quoi ce délire? Peut-être la couleur de la gamme. C'est dur la bouffe à l'image. Oui. Souvent, alors, vas-y. J'écris pour vous informer que le colonel de notre régiment a été aperçu avec la femme d'un autre officier dans une situation potentiellement intime. Il avait le doigt dans la... Oui. Nous vous implorons d'envoyer vos agents pour enquêter sur cette transgression de la première vertu. Il a rempli son barillet. La première vertu, c'est la luxure du coup, la première vertu. Enfin, tromperie ou... C'est le cul. C'est tromperie. Attends. Ah oui, non, parce que, pardon, moi j'ai dit luxure, mais en fait c'était pas luxure, les fringues. Luxure, c'est le cul. Attends, je sais plus maintenant. Non, le cul, c'est... Si, c'est luxure. C'est luxure. Oui. Alors c'est quoi le fait d'acheter plein de trucs? Le fric? Ah mais le fric, je suis con, c'est le... C'est l'avarice. Ouais, je suis trop bête. Ouais, c'est l'avarice. C'est être avare. C'est l'avarice, ok. Alors attends, parce qu'on a quand même ces dossiers, j'ai quand même envie de regarder. Oh putain, attends. Oh putain. Coupable, monsieur Fangor Queen. Année de naissance 1760. Ah, t'as vu, en plus... A prétendu ne pas avoir de femme. Déjà, ça c'est une grosse... Ouais, alors qu'il a une photo de femme. Enfin, c'est pas grave. Possède un tableau dans un tableau. C'est un tableau d'une femme nue, c'est un problème. C'est un tableau, ouais. A brisé la théière préférée de sa femme sous la colère. A été vu passant la nuit avec la femme d'un voisin. Et avec ça, on va devoir savoir à combien il est en moins. Non, déjà, on va devoir savoir qui c'est. Parce que par rapport au gars en bas. Bah oui, non, t'inquiète, mais on va devoir savoir à combien il est. T'inquiète, on saura. On saura, mais ça va être... On saura. Ça va prendre tout le live, il n'y aura qu'une enquête, mais on saura. Peut-être. Walter Keane, lui aussi, on le connaît bien. Il a séduit 3 fois avec différentes femmes. Putain, il a le fameux dessin avec les chapeaux. Et il l'a depuis longtemps. Et ça, on l'a vu depuis longtemps, ce dessin avec les chapeaux. Oui, on l'a vu depuis plusieurs missions. Bon, il a séduit 3 femmes différentes mariées. Oh mon Dieu. Bah, en vrai, si elles sont mariées, elle pouvait lui dire non. Ça fait partie probablement de ce qui a dû le condamner à mort. 3 chapeaux. 5 chapeaux.
a porté des chapeaux ridicules à 5 événements. C'est très grave. Il a affirmé ne pas avoir trahi le haut juge Lazarus lors de son rituel d'ascension. Et il est exclu du parti de l'ordre. Putain. Il a plus besoin de lui mettre des points s'il est exclu. Hein, Lothar Richards. Ça arrive. Organisé à Disney il y a quelques années, lors duquel il a proposé de grandes quantités de vin à ses invités. Donc Dieu. Bourrer les gens, c'est interdit ou ça fait partie de la luxure? Je pense que non, ou est-ce que ça doit être en mode... Si c'est les 7 péchés... Partons sur les 7 péchés capitaux pour le moment. Si c'est le... Enfin, ça pourrait être aussi le mec qui bouffe beaucoup, tu sais. La gourmandise un peu. La gourmandise. Je sais pas. S'est mis en colère pendant l'interrogatoire et a crié sur le haut juge. Il y a la colère en tout cas, parce qu'il y a eu la tailleur en colère. Enfin, il y a eu ça... A révélé l'emplacement de la cachette de dissidents fugitifs, sa fille Marie et son mari Peter. Il y a eu 15 points de mérite pour ça. Pour avoir dénoncé sa fille et son gendre. Ouais. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Ouais. Il y a beaucoup de rouge ici, je te laisse les lire. Sous Vichy, c'est un bon gars. Vas-y, écarte-toi. Il a cheaté son travail à la tannerie plutôt. Moins 3 points pour Gryffondor. A mis une quantité excessive de gin au char acheté. De gin, Je sais, c'était plus loin de dire. Il n'était pas à jean. Putain, ça, regarde. Il a bu une quantité excessive de rhum au vieux chêne, le même jour. fait une proposition indécente à une toujours femme mariée. Le même jour. Il a nié 4 fois pendant l'interrogatoire qu'il avait commis de tels actes. Donc le mensonge. Donc il y a. Mais attends, le mensonge, ça fait partie. Attends, le mensonge, ça fait partie des péchés capitaux. Oui, c'est le secret. Enfin là, c'est dans leur truc, c'est le secret. Mais le mensonge dans les péchés capitaux, c'est pas, ça doit être... Non, c'est peut-être pas les péchés capitaux. Faudrait qu'on trouve tous les trucs qu'on sache. Il y en a 4. Il y en a pas que 4, c'est pas possible. Ouais. Il peut pas y en avoir que 4, t'as vu le nombre de trucs différents qu'on a. On a la viol, la colère, on a tout ce qui touche... Le secret. Ouais, le secret, l'avarice. Tromper sa femme, c'est quoi? C'est le secret? La luxure, je pense. C'est... Ouais, mais alors, c'est l'avarice aussi. Continue, on va voir combien on en aura. Je suis perdu. Pour l'instant, ils ont parlé de... On a eu que le quatrième manquement. Oui. Enfin, tu vois, c'est pour putain, ça. Putain, il y a du fric, là. Il y a du fric. Là, je pense, là, c'est le fric. Alors, le château qu'il a, ouais. Alors, chef d'accusation. N'a pas eu d'emploi depuis le nouveau régime. Évalué à 60K de non-travail. Ok. Prétend travailler dans son château en aidant les domestiques à faire le ménage. La bonne astuce. Belle excuse. Possède 15 livres. Ouais, t'as raison, tout ce qui touche à la culture, ils ont pas le droit. Ils aiment pas, ouais. Rangé dans sa bibliothèque privée, 15 livres, je pense que lui, il vient d'être exécuté. Lui, c'était le petit vieux qui vient de mourir, ça c'est sûr. A exprimé la volonté de donner son château au parti. Ah non, pas mal. Plus de 200 points. Ah oui, non, il s'est mis bien, lui, il a 100 ans. Il s'est sauvé la vie. Il est tranquille pour jusqu'à la fin de sa vie, mais il a plus de château. Ouais, il est tout seul, il est clochard, mais ouais, il se rend pas exécuté. Ouais, il a 190 points, le match. Il a pas visé la thune, il a visé les points, c'est le choix. Gideon Bell. Vas-y. Alors, il arbore... Elle non, il. Il. Pardon. Non, je sais pas. Arbore une coiffure outrancière. Bah, tu vois, je suis d'accord avec eux pour le coup. Ouais, c'est outrancier. Je suis pas outrancier, mais je ne sais plus. Il a fondu en larmes 10 fois lors de l'interrogatoire, ok, a refusé de commencer à travailler, évalué à 5 cas de refus d'emploi, et a refusé la demande du haut juge de partager des informations sur une entrée secrète dans le château de son cousin, le souverain. Ouais, bon, lui, il est mort. C'est attends, sûr. Le château du cousin, le souverain, ça serait l'autre qui avait son château, qui l'a donné. Gideon Bell. Ah, peut-être. Tu vois, mais ils ont pas le même nom, ils cassent les burnes. Ok, on va dans la pièce suivante. Et ils sont pas cool. Il se passe quoi ici? Ils jouent du... Ah non, il est là. Il y a une phrase en latin, déjà. Les 4 maximes de la vertu. Donc, t'as raison, ils sont... il y a que 4 trucs. Ok, d'accord. C'est bon. Ok, c'est bon. Amour, sexe. Amour, voilà. Liberté. Liberté, sûrement culture. Mensonge. Le mensonge. Luxure. Luxure, avarice. Avarice. Voilà. Bah briller, comme le soleil. Oui, non, j'avoue. Et tu penses que c'est 1 point, 2 points, 3 points, 4 points? Non, je pense que ce sera jamais aussi simple. Non, parce que le gars du mensonge, il n'avait pas grand. Il avait qu'un point. Le mensonge, c'est 1 point. Ok, mais non. Peut-être. Parce qu'on sait pas, peut-être qu'il démarre pas à 0. Ah putain. J'espère que si, mais c'est vrai que tu marques un point. Après, il démarre à 10. Oh, ce sera horrible. Bref. Silence, vous remplirez vos fonctions autant que nécessaire. Il est d'une importance capitale d'assurer l'ordre dans notre nouvelle société. C'est un très très important. C'est lui qui a la putain de statuette. Ouais, la fameuse qui est piégée. Ok. Il y a plein de poubelles de recyclage. On va trier les déchets. Dit-il en cliquant sur le personnel. Pour vous dire la vérité, Monseigneur le haut juge, je préférais de ne pas avoir à en ranger plus. Ne pas ranger plus. London Gazetteer, depuis dans les... Oh putain, j'ai trop pas envie de tout lire. Rencontrer la majorité au Parlement, il est de lire l'autre page. Notre gouvernement du chaos multiple
multipartiste, le parti de l'ordre, a œuvré d'arrache-pied à l'amélioration de la société. Malgré le vaste soutien populaire au parti, Sa Majesté refuse de reconnaître l'autorité du tribunal du parti. Le haut juge Lazarus Herst a annoncé que dans 2 mois, le parti et ses partisans participeront à une marche pacifique jusqu'à la résidence actuelle du roi pour démontrer leur vertu de modération. Le juge, il s'appelle Lazarus. Mais ils font quoi, c'est-à-dire, genre, ils font quoi, eux? Je suis honoré d'aider le parti à faire, ce qu'ils font, à faire respecter les 4 vertus. C'est les Jatch, ils font de la délation. Oh merde, la paresse. Juste que rester assis, là, toute la journée, je sais pas. Oui, de la paresse, ne compte pas comme de la paresse. Pardon. Ah, ok. Pardon, je regardais pas. Il y a Madame Irma encore. Non, mais alors, attends, la paresse, ça joue pas, là-dedans. On avait dit quoi? Ça, c'est luxure. Si on compare aux péchés capitaux, c'est luxure, avarice, mensonge, secret, c'est pas vrai. Bon, bref. Mensonge, ouais, mais alors attends. Et là, c'est le genre la. Liberté, on avait dit. Parce que moi, je pensais les ailes dans le sens. Tu vois, genre un livre, une marche militaire, des trucs qui sont externes à leur mouvement. Oui. Je pensais ça un peu. Ouais, mais alors, paresse, il irait où? Il irait dans la. Largement, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. On verra ça plus tard. Il y a des emplois pires que celui-ci. Heureusement, le tabac n'est pas considéré comme un plaisir coupable. Ouf. On s'ennuie un peu. Dommage que la littérature soit interdite. Bon, au moins, on est clair là-dessus. D'accord. Un sac de tabac à moitié plein. Et un balai. Et un livre dans le sac de tabac. Oh mon dieu. Mon dieu. Vous fumez? Mais c'est un livre. Souvenez-vous de la deuxième vertu, ranger les objets confisqués et les preuves en fonction de la vertu enfreinte. Ah, d'accord, ça, donc ça c'est les couleurs. Ouais. Ça. Ah, oui. L'amour, tu vois là. Ok, ouais, ça va nous aider. Mais attends, mais ça va nous aider en quoi si on peut l'ouvrir? Ah oui, d'accord, on sait ce qu'il y a où. Ok, attends, quoi? Donc l'alcool, c'est l'amour. L'alcool, c'est là-dedans, ouais. Les drogues vont aussi. Alcool et drogue. Une facture, ferme bruit sonore. Non mais attends, ça joue pas du tout là. 3 livres de beurre, t'es sûr que les couleurs des coffres correspondent? Non, je sais pas, on va voir. Attends, on va attendre de les ouvrir tous avant. Parce qu'il m'embrouille là, là c'est la thune le problème. Au total, 29 pénis. Ah, il a fait une erreur de calcul. Ah non, erreur, liberté. Ah, ça doit être paresse du coup. Erreur, paresse, les ailes. Ok. Ouais, ouais. Je sais pas, là il a triché ou il a. Ouais. Enfin, il a fait ça, c'est le divertissement. Oui, oui. La culture, violon. le tableau du gars, tableau par exemple, il est trop stylé. Il est trop bien. Là, mec. Oh non, putain, pas un tableau de lui. Tu nous as pourri notre enquête. Oh non, pas la bague rouge. Gideon Bell, ouais. Qui ne comprend pas quand il se fait empoisonner. Il est trop stylé. Il est terrifiant, mais il est trop stylé. Il me fait un peu peur, quand même. Moi, j'ai envie de l'avoir chez moi. Moi, pas vraiment. Ah, et les livres, c'est pas dans la même... Ah, merde. Attends. Ah. Donc, les livres, c'est là. Ah, mais attends, peut-être que c'est plus fort que ça. Histoire. Conte d'automne. Non, il n'y a vraiment rien de. Non, c'est vraiment genre des livres basiques. Mais est-ce qu'ils se sont trompés? Ah, tu penses que tu seras en plus stupide? J'ai peur. On a tout trouvé, ces autres. Déjà, voilà. Déjà. Ok. Ça va. Ok. Faudra peut-être commencer par ce genre de truc. Ok, va falloir qu'on commence. Si on commence par ça nous aidera pour le reste. 3 heures, c'est trop bien. Ah ouais. Là, on est mort. C'est pour les autres pages, juste qu'on voit un peu. Là, on va regarder un peu tout ce qu'on a à faire. C'est ça. Ah oui, le texte, putain, oui, le texte. Ça, c'est bien, regarder le texte. Ils sont passés depuis que tu le partes. Tatata. 3. Ça, je peux déjà le mettre. Techniquement, ils sont censés être 3. Mais bon. C'est 3. Je sais pas comment ils les appellent. Trois années sont passées depuis que le parti de l'ordre a pris le pouvoir. Ah non, merde, pardon, j'avais pas compris qu'on parlait d'une date. Ouais, c'est un temps. Pardon, je croyais qu'on parlait du nombre de gars qui étaient passés. Lors d'un procès, blablabla, blablabla, a été le mec mort, ouais. A été jugé et reçu la plus grande déduction de culpabilité de toute l'histoire du tribunal, je sais pas. Pour être étudié sur son temps, ça, en gros, c'est très clair ce qu'on cherche. On cherche le nom du mec qui a tué. Enfin, le bourreau, on le sait, c'est l'exécuteur. Ou est-ce qu'on doit juste mettre exécuteur, peut-être? Oui, je sais pas. Il a donc perdu tant de points, et il est mort, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Ça, c'est quoi, ça? On va devoir savoir ce qu'ils ont utilisé pour le tuer, je crois. Bah, ça, pour le moment, selon nos théories, ce serait 1. On était parti selon sur nos théories. Ah mais non, parce que c'est pas forcément on est parti. Non, non, c'est on faux. Va partir du principe qu'ils sont démarre à 0. Non, mais parce qu'en fait, je m'explique. Il y a un problème, c'est que là, ça peut être 1 comme ça peut être n'importe quoi. Parce qu'en fait, regarde. On est parti que c'était le secret, mais le secret, c'est pas ça. Où est-ce que tu placerais le mensonge? Faut qu'on remplisse le mensonge, tu le mettrais où? C'est ça la grande question.
là-dessus. Bah, c'est ça. Ah, l'erreur, le mensonge serait dans la même carte. Bah, pour moi, là, c'est... Paresse, mensonge et erreur. En fait, je sais pas, parce qu'il facture ça, mais ça doit valoir 31, et en fait, il... Là, il le fait pas en... dans son sens, tu vois, son truc, son erreur. En fait, c'est tout con. Excuse-moi. Son mais erreur, si on résout, dans le sens de l'autre, on détermine qu'est-ce qui vaut quoi, on a tout fini. Ouais, oui. Parce qu'après, on n'a plus qu'à déterminer qu'est-ce qui est quoi, en fait. Oui, c'est et ça. C'est... Et un peu qui est qui, mais il n'y a pas trop de qui est qui, là. Ouais, il y a quand même du qui est qui. Un petit peu, mais... Attends, c'est quoi, ça, en fait? Oui, justement, je voulais... Ah, d'accord. On doit mettre le nombre de points de mérite pour chaque dossier. Ok, on a les 6, c'est ça? Ouais, on a les 6. Ok. Ah non, on va juste mettre plus moins. Ouais, a reçu plus 3, moins 4, plus 3, tu vois, par exemple, comme ça. Non. Bah, tiens, on a les livres, de toute façon, on sait. Non. Non, parce que pourquoi il y a deux cases? Ah, genre plus ou moins... temps. En fait, c'est non, ça. Je pense par... dans une case, on met... si tu mets plus là-dessus... Ah, tu peux pas mettre d'autres trucs, c'est un plus, et ensuite, tu mets... Ah! Sérieux? Ouais. Ah, merde. Ok. Bah, on verra bien, Attends, je vais l'enlever le plus parce que ça va l'embrouiller. Ok. J'aurais pensé que dans une case on mettait deux. Donc, nous, ce qui nous intéresse prioritairement, ce serait ça. Là, on est d'accord, oui. Ça et ça. Les ZC de. Les loisirs vulgaires. Attends, ça nous aide. Les cas de. Au travail. Ah, au travail. Ça va nous aider. Là, il y aura paresse. Là, il y a forcément. Il y a par. Désordre. Désordre, ouais. On va être logique. Ouais, ouais, ouais. Erreur. Erreur. Et paresse. Erreur, il y a paresse. Page 2. Peut-être qu'on fait. Paresse, paresse. La seconde vertu. Vertu. Ah non de... C'est la paresse. La seconde vertu est la paresse. Oui, oui, c'est plus. C'est elle la paresse. Et là, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas le mensonge? On peut tester mensonge. Erreur. Pour, Attends, parce qu'il y a quoi comme mot? Il y a mensonge secret. Ah oui, putain, mais mensonge secret. Attends, il y a un truc qui a un rapport avec les... Chers, justement, un truc en... Plaisir coupable. Modération, littérature, plaisir coupable. Non, plaisir coupable, ça ira dans le premier, c'est l'alcool, par exemple, comme ça. T'as raison. Tu sais qu'on va mettre ce qu'on sait. Ouais, mais la première vertu, c'est pas les plaisirs coupables, justement. Moi, c'est là qui m'embrouille le jeu. Ah. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le nom de la vertu à ce moment-là, si oui, c'est... oui, t'as raison. Mais plaisir coupable en... Nom non, de je vertu. Sais pas. Non, essaye, parce qu'en fait, c'est plus large. Le truc en haut, moi, je plus pense, large, je peux être honnête, je pense que ça va là. Ouais, ça joue. Oui, parce qu'en fait, oui, attends. C'est des vertus. Pareil, ça peut pas être une vertu. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Donc, fais voir ce qu'on a d'autre. Pardon. Le travail bien la fait. Première, le mérite vois, être, et le mérite le mérite, ouais, par exemple. Mais mérite. La seconde vertu est le mérite. Dans la première, ce serait genre les émotions ou un truc... L'amour. Un truc bien large. La première vertu, non, justement, c'est l'inverse. Parce que la vertu, c'est de pouvoir contenir. De pouvoir être... Oui. La diligence. C'est pas la diligence. Ça veut déjà dire quoi, la diligence? C'est parce qu'ils escortent dans l'utilité. Non, oui, bien sûr. Mais... non, c'est la modération. Modération, ouais. Bah oui. La modération de l'alcool, du cul. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Oui. Plaisir coupable. Il y a un truc genre amour, désir. Ouais, désir. Désir, ouais, désir. On est tellement en impro, c'est magique. Je vais voir si en page 2. Bon, on verra combien on a derrière. À la fois, c'est vraiment celui où après ça ira. Littérature, c'est... Littérature, on sait que ce sera dans vérité. Ah bah oui. En fait, là, je pense que ça est... Ouais, mais du coup... On sait qu'il y a la littérature dedans, dans la quatrième poubelle avec que des livres. Où irait le mensonge? Attends, faut que je regarde juste dans le coffre... coffre rouge, il y a juste deux alcools, c'est ça? Alcool et drogue, ok. Et là... Ici, il y avait l'erreur. L'erreur, oui, donc ça, ok. Et ça, c'est juste des trucs... La musique. La musique, donc ok, bon, ça, on peut le mettre, par contre, la musique, du coup. La troisième vertu, ce serait quoi? Peut-être la diligence, en vrai, mais j'ai un doute sur vraiment ce que c'est, le sens exact. Sans dire, il a mené ça avec diligence, dans le sens avec...
je pense que ça exprime genre le fait que t'es bien pris du recul sur le truc, que t'es, enfin que t'es ultra bien fait les choses, quoi. Ouais. Attends. La mode, c'est un des péchés aussi. Ouais, je viens d'y penser. Il y a un... Non, il a dit justement, heureusement que la mode n'est pas un péché. Ouais. Non, ils ont pas engagé de poursuite liée à la mode, mais en vrai, ouais, ça veut pas dire que l'autre qui a acheté ses habits, il avait pas l'air d'avoir fait une bonne chose, tu vois. Troisième vertu, c'est quand même le côté des habits, quoi. C'est le divert... C'est enfin tout ce qui est un peu vulgaire. Je suis pas sûr. Le violon, c'est vulgaire. Non, je pense que c'est tout ce qui distrait. Donc on cherche un truc genre... La troisième vertu, ça doit être un truc genre lié au fait de pas être distrait. Y a un mot Coincé? Non. Ah, oh, non, j'ai compris. Oh, j'ai compris. Ce serait pas beauté plutôt que genre en fait c'est trop moche, ils sont pas contre l'art mais ils sont contre l'art moche, le rustique. Donc ce serait la beauté c'est genre mal, tu dois être beau, je vois, parce qu'il y en a un, il est accusé quand même d'avoir porté un chapeau ridicule. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est un chapeau ridicule. Genre, le chapeau ridicule, c'est accusateur, tu vois. Genre, ils aiment pas le clownesque. Vas-y, réfléchis, je vais juste me rouler une petite clope. Ça m'aide à réfléchir, là. Mais putain, on avance. Je suis sûr qu'on est pas loin. À ce moment-là, déjà, je cherche pour justement le soleil, les trucs genre. Ouais, liés aux vêtements moches ou à l'art dégueulasse. La notion de la mode, peut-être. Ouais, mais en fait, c'est bizarre parce que pourquoi ils nous interdiraient de façon globale, tu vois, genre la mode. C'est une secte. C'est large. Oui, mais c'est large, c'est pas... Du coup, c'est plus la beauté. Non. Tu fais du Hachette, j'aurais jamais lu. Je pense réellement que c'est la vérité, la dernière vertu. Et que, genre, il y a tout un délire avec le fait que... C'est comme une secte. Non, non, ils veulent pas que tu... Oui, ils veulent pas que tu ailles tester autre chose, ailleurs. C'est ça. Du coup, il y avait le secret dedans. Le secret, non, parce que... Attends, parce que regarde, il a tout le problème, c'est que le secret, il a coûté rien. Donc ça m'étonnerait qu'ils soient aussi gentils avec un truc qui puisse niquer leur secte. Pour moi, c'est probablement une des pires, la quatrième... Attends forcément. Attends. C'est elle est en quatrième, elle est... Il disait quoi? Il disait quoi, les... T'arrives à faire B? Reviens dans la salle du tribunal, là, avec les deux gogoles, là. Clique sur celui de droite, là. Il disait quoi, déjà? Il disait qu'il... J'en ferai jamais la quatrième vertu. Je n'ai pas de secret. Donc ouais, la quatrième vertu, tu sais bien les secrets. Non, c'est bon, secret. Ok. Et lui, il accusait de... douce musique, veuillez contrôler vos émotions en tant que juge de l'ordre. Jamais nous ne devons enfreindre la première vertu. Ah, la première vertu, c'est les émotions. Du coup. En tout cas, elles font partie émotions, de... Enfin, émotions, c'est dans la première... Ça fait partie de la première. Je sais plus si on l'a mis. Non. On, on va mettre émotion là. Émotion, ouais. Ok. Émotion, secret, la littérature, il manque... Bah mensonge. Mensonge. Ah oui, je pense. Après, c'est bizarre. Mensonge. Elle coûte si peu cher. Bon, c'est elle en 4. On va voir. Mets-le pour le moment, au pire, ce sera marqué qu'on est dans l'erreur et c'est pas grave. Attends, là, quand tu vas être la dernière, on va le savoir très vite. Putain, si sévère, franchement... Ce serait bon, hein. Non, mais c'est impossible. Là, les probas. Mode A. Tu vois, genre, si on était dans un jeu, c'est pas un des 20 que tu jettes, là, c'est un des 2000. Ah, mais j'arrive pas à le placer. Il faut que tu fasses 2000. Non, attends. Bah, la cul. Y'a pas un truc genre. Passe. T'as mis mode art. Bah, la musique. Ah, oui, musique. En plus, musique, on est. Putain, et. C'est horrible. C'est pas mal. On a que deux cases d'incorrect. Oui, c'est pas mal. Peut-être c'est plaisir coupable, c'est pas tout à fait ça, tu vois. Peut-être qu'on a autre. Non, parce que ça, c'est ce qui englobe l'alcool. On en a besoin. Oui, c'est vrai, il y a l'alcool. Est-ce que les émotions seront punies par. Non, attends. Les émotions, c'est. Et c'est fou. Deux cases, c'est pas beau. Ouais, grand chose. C'est-à-dire que quand on a touché quelque chose, ça a passé au rouge. C'est ça. Et on le saura très vite si on est sur la bonne ou pas. Mais on n'est pas loin. Attends. Une vertu, c'est le mérite, avec désordre, erreur, paresse, ça semble quand même bien.
je vais re-regarder tous les mots sur le teko. C'est tout ce qui sera puni, en gros. J'ai pas trop vu, à part désir, j'ai pas trop vu de trucs pour la séduction, c'est des femmes des autres et tout. C'est vrai, bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils jouent grave. Elles sont bien. Non, en fait, lui, c'est mort. L'erreur est là. Parce que c'est elle là. Ah oui. Le mec, il a là. C'est vrai, ça peut pas être là. Est-ce que ce serait la paresse? Alors, c'est quoi? Non, enfin, si on part du principe que ça peut pas être là. C'est une vertu là. Alors, la diligence. La diligence, ouais, vas-y. La diligence. C'est aussi le fait de bien se tenir et tout. Donc, ouais, ça peut. Putain, mec, on est des génies! On est des génies! Joli, c'était juste diligence du coup, enfin c'était juste lui qui était fou. Ok. Je crois qu'il y en avait deux. Là, en partant de là, on. Joli. On a compris. On a déjà la base! C'est ça, on a compris ce qui est puni et dans quelle catégorie. D'accord. On va y revenir. De toute façon, on maintenant, faudrait trouver comment déterminer les points. Bah avec les. On sait, les cas, on sait, attends, ce dont on sait l'histoire. On sait que le secret, c'est un. Attends, bah oui, on est con, on va regarder les scores. Justement, on va regarder. En bas. C'était lui, je crois qu'il. Non, lui, il avait juste. Non, oui, c'était dans son. C'est... Chacun a sa carte sur lui. Je crois que c'est ça. On parle du principe qu'il part à zéro. Hein. Ouais. Donc là, moins 2, ça veut dire que. Il a mensonge, plus 10, mensonge, secret. Donc le secret, c'est 1 point. Donc on sait que la catégorie 4, c'est 1 point. C'est pas beaucoup quand même. Non. Pour mentir, ça va. Pour mentir, ça va. On avait quoi d'autre? Du coup, on cherche. Là, le truc de séduction et tout, la beauté par exemple, le mec qui a acheté des habits en fait. Ouais, mais maintenant qu'on sait ça. Faut voir un attends, peu ce bah, en fait. Vrai, ouais, on va trop ça va être facile. Faut juste qu'on ait des cartes. Ça va le faire. Sur les cartes, on va s'en sortir. Regarde, lui, on sait qu'il est à plus 4. Donc il a un moins 6. On cherche il a pris 6 points là. Pause déjeuner ici. Donc là, techniquement, il a quoi? Double pause, c'est paresse. Ouais, c'est paresse. Et a daté un protocole, erreur. Donc c'est les deux dans la même catégorie. Ouais, c'est les deux dans la même. Donc pour faire 6 avec deux fois le même, c'est 3. Ok, on avance. C'était pour là-dessus, moins 3. 3. Vaut mieux dire... Non, j'ai déjà mangé, je vais prendre doublement sa pause, quoi. Oui. Est-ce qu'on a un autre carnet quelque part à fouiller, là? En haut, est-ce qu'on a un petit carnet là? Oui, je crois. Eux, ils ont des carnets. C'est grâce à eux qu'on va s'en sortir. Ouais, ouais. Plus 20, plus bon, donc il a 8 points dans le cul. Donc ça, c'est le premier, l'alcool. Et l'alcool. Ça, c'est le dernier, c'est le secret. C'est donc, le secret. Moins 1. Donc, putain, c'est ah moins... Oui, moins 1. Et c'est... C'est 7 points. L'amour, oui, oui. C'est 7 ouais, points. Il y en a un qui a... Oh, celui qui a séduit les femmes, là, les saintes femmes. Mais c'est lui qui a pris le gang... Bah, c'est lui qui a fait le plus gros score. Il a tapé le meilleur score. Le meilleur score de sa vie, le dernier, en fait. Merde, j'ai inversé deux chiffres. J'ai fait n'importe quoi. 1, 3. Voilà. Oui, non, mais là... Ouais, du coup, j'ai mélangé les chiffres. Ah oui. Et donc, maintenant, il ne manque plus que le dernier. Ok. Mais je pense... À moins qu'on se trompe. On va dire qu'on est parti bien. Ça va, ça a l'air de se tenir. Ça se tient. Et il nous faudrait le... On va voir. Là, ça va conclure. Et ça... Ah oui, on... Alors, la colère... Ah merde, la colère. C'est rien, en fait. La colère ne compte pas. La colère, c'est quoi? Ah, émotion. Émotion, oui. Ouais, mais ça fait 7-7. C'est impossible. 7 points. Et j'ai à écouter de la musique. C'est 2. C'est 2. Alors, on fait voir nos points. Bah oui, non, ça doit être 3 parce que. Non, attends, c'est 2, t'as raison. Non, mais attends. Par exemple, la musique, on l'a mis dans la dernière catégorie. Et là, ah, on oui, sait oui, que c'est un 7 pour émotion. Ouais. Donc, pour arriver à 11, ça fait. Pardon, ça fait 9. 23, 7, donc, ouais, t'as raison, ça fait 2. Donc, ça, c'est 2. Ça vaut 2. Allez, mets-nous en vert. Vaut mieux être dans les premières. Ouais, et puis, du coup, elles sont graduées par. Logique, la première. On est des génies. La première vertu est très très importante. La quatrième est moins. On va faire vos additions, les gars. On va faire vos additions maintenant. On va faire vos additions. Et on va résoudre cette affaire. On va tout faire. Genre, mais. Alors. Extrême. Alors. Fondler Queen. Alors, a prétendu ne pas avoir de femme. Donc, mensonge, moins 1 point pour Gryffondor. Ouais. Il possède un tableau représentant une personne nue dans sa maison. Ça, c'est l'art et tout. C'est l'art. Donc, moins 2, donc ça fait moins 3. Moins 3. A brisé la théière, colère, moins 7, moins 10. On a 10. A passé la nuit avec la femme de son voisin, moins 7, moins 17. Moins 17. Putain, donc Fangor Queen, il est à moins 17. Ah, d'où le donc là, moins 17. Ils ont des scores à 3 chiffres, en fait. Ouais.
C'est tellement logique leur truc. Ouais, j'ai compris. Moi j'ai envie de vivre dans ce monde. Moi aussi. Moi en 4000. Il n'y a rien, tu mets des plus, il faut juste donner des sous. Et... Si, oui, donner son château. Donner ta thune, bosser pour eux. Et puis dénoncer les autres. Et dénoncer. Alors, à déçu, 3 fois avec différentes femmes mariées. Alors, est-ce que ça compte fois 3, tu vois, du coup? Moi je dirais moins 21. Oh putain, ouais, non, mais là il est mort. Tu commences comme ça, il est. Oh putain, à 5 événements publics. 5 fois 2, 10. Donc, c'est pas 2. Ouais. Les trucs. C'est 2. Moins 21, moins 31. Putain. Affirmer ne pas avoir. Donc, mensonge, moins 32. Moins 32, moins 32 bien, pour Walter Keane. Ouais. Non, mais il est mort. Si c'est pas ça, bon, de toute façon, on dira que c'est ça. Moins. C'est pas cumulable. Mais là, je pense que c'est tu. Fais gaffe, t'as changé. Merde. T'es sur le premier. Bon, t'as rien changé en fait. 32. Mais. Ça se cumule. On est trop fort. Vaut mieux se faire choper direct, tu vois. Oh putain, vas-y. Alors, lui, il a organisé un dîner il y a quelques années. Il a proposé de grandes quantités de vin à ses invités. Moins 7. Moins 7. C'est ça le vin? Ah oui, c'était donc. Bah, techniquement, ouais. Il s'est mis en colère. Moins 7. Moins 14, du coup. Et par contre, plus 15. Donc il a plus. Donc il y a plus 1. Ça va, ils sont de sortie, lui. Plus 0,1, du coup, faut mettre. Il a un plus 0,1, le petit salaud. Attends, ils les ont bien mis dans l'ordre, hein. Lothar Richard. Ouais. Ils sont pas bâtards. Ouais, ça a été dégueulasse. Oui, ça aurait été vache. Alors, il a cheaté son flemme, travail. Donc, flemme, c'était déjà c'était moins 3. 3 ? C'est 1, 2, 3, 7. Ouais, d'accord. 3. 3. Il a bu une quantité excessive de 7, gin. 7, moins 10. 7, moins 17. Moins 7. Moins 24. Moins 24. Nier 4 fois les mensonges, fois 4, moins 28. Moins 28. Ah, il a nié 4 fois, mais il avait quelque chose. Et ils m'ont refait le coup. Pardon. Ah oui, c'est plus 0. Moins 24. Merde. Non, c'était pas moins 24. Parce qu'on était à moins 24 et il y avait les 4 mensonges. Moins 28, pardon. Excusez-moi. Et je me demande si... Non, c'est juste. Parce qu'en fait, comme il a nié 4 fois son mensonge, il a quand même menti avant, donc ça devrait faire 5 ans. Oui. Ils ont été gentils. Alors... N'a pas... Alors lui, ça va être chiant comme score, il y a un plus 200 part, à la fois. Oui, on part à plus 200, et puis on fait moins. Ah oui, j'avoue. Il possède 15 livres rangés dans sa bibliothèque privée. Attends, n'a pas d'emploi depuis le nouveau régime, avait 60 fois flemme. Ah oui, ah oui. Donc 2 fois 60, 120. Non, 3 3. Il est déjà à 180. Par contre, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir déterminer depuis combien de temps le régime. Oui, oui, c'est vrai. 180, pardon. Il prétend travailler dans son château mensonge. Mensonge, donc moins 181. Ouais. Ah oui, non, pardon. Oui, non, on fait l'inverse, donc. Oui, non, pardon. Non, il est à 180. Là, on va en addition et puis on soustraira à la fin. Non, 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 on va faire. Non, mec, t'as pas. C'est mais pas le premier truc vaut 180. Ouais, bah donc on est. Il a plus que 20 points. Oui, il a plus que 20 points. Pour Gryffondor. Deuxième, il perd. Un point. Donc il a plus que 19. Et 15 fois. Non, non. 1. Ah oui, il possède 15 livres. Ah, donc, tu penses. 15. 15. Ouais, donc il est à 4. Il a 4. Plus 4. Ouais, ouais. Allons, porte plus 4. Je crois. Les 15 livres, ça vaut. Bah, je pense. Je pense chaque livre. Ils sont vaches. Ouais, ils sont vaches. Ouais, faut dire que le 4, il a changé de place. On sait pas encore si ce sera juste. Mais... On verra. Alors, la coiffure outrancière, la mode, c'était moins 2. C'est moins 2. Fondu en larmes 10 fois. Bon, émotion. En septembre 2. Oh putain. Ça va vite. Hein. Ça va très vite. Il a refusé 5 fois le refus d'emploi, ça fait moins 15, donc moins 87. Putain. Il a refusé la demande du juge de partager des informations sur c'est lui qui a battu le record. Dans le château. Ça, c'est un mensonge. Ouais. Moins 88. Putain, merde. Ah, c'est celui qui se rend pas compte qu'on drogue. Il mérite. Ah, c'était lui ? Oui, c'était Gideon Bell. Ah, bah tant mieux. Je crois que c'était lui. Ah. En tout cas, il a la même coiffure. Vengeance. Moins 88, t'as dit ? Ouais. On est fort en maths, hein. On entend même pas notre check tellement il était calme, tellement on est trop fort. Je le redouble tout ça. On est trop fort. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à remplir le livre. Ah ouais, mais ça va être un problème. Alors, bah déjà là c'est année, déjà ça, je vais te mettre le mot année. Je vais mettre les mots que je sais, ensuite je changerai. Ouais. Le 3, je sais qu'il est faux. Je vais le sortir parce qu'ils vont me faire chier. Okay. Lors du procès d'un... Non, lors d'un procès... Ça, c'est le mec... Ah, donc celui qui a reçu la plus grosse, c'est... Bah, c'est lui, là, c'est Gideon. On est d'accord. Oui, oui, du coup... Moins 88. C'est le plus bas, j'avoue. Ah, dur.
Il croyait qu'il jouait à d'autres jeux, quoi. Enfin... Ouais, il s'est trompé de game, là. Ouais. Gideon Bell. Il jouait au barbu. Gideon Bell, fallait dire la vérité dans l'épisode précédent et on t'aurait peut-être sauvé la vie. On peut rien. On est juste face au fait. Ah, il est mort. Point, 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 point. C'est où point? Y'a point? Y'a pas point? Comment ça, point? Attendez, ah. Je l'ai raté. Attends, a reçu la plus grande déduction de score. Score ou pas? Ah ouais, de mérite. C'est des points de mérite. Oui, c'est des points de mérite. De toute l'histoire du tribunal pour exister sa sentence, le tribunal a utilisé l'implacable. Ouais, ça va falloir qu'on trouve avec quoi il le tue. Je t'ai dit au non, début. C'est juste l'implacable. Non, exécuteur, je pense. Ah, tu vois, c'est exécuteur. Bah, c'est lui, non? Lui, c'est juste un exécuteur. Ah, ouais. De l'ordre du parti. Ah oui, exécuteur. Je pense que c'est ça qu'ils veulent, non? Je sais pas si on peut prendre le mot exécuteur. J'ai badé là. Je regardais sais pas si du tu tout. L'as vu en fait. Ouais. Non, je crois pas que je l'ai en fait. Pas encore plus les mots. Non, je l'ai pas vu. Ah oui, non. Non, en plus c'est les mots d'avant, ouais. Non, ah, idole en fait, je suis trop con. Ils ont tué avec l'idole. Ah ouais, mais le seul gars en route, tu vois. Bah, je pense. Ouais, oui. Ouais, sûrement. Oui. Bah, en vrai, il est mort de quoi? Oui, bah, j'avoue qu'ils doivent faire le jugement en bas, ils doivent monter, et puis après ils ont. Et puis en plus, à chaque fois, elle a un nom à la con devant. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est toujours l'infernal, implacable, etc. 88 points. 8. 8. Voilà. Il n'y a pas pour... Enfin, ah, 88. Mérite. Mérite. Oh, mais... Allez, tente. Ah, année. Ah, tu penses en vous. Ils enlèvent des années avec la l'idole. C'est ça. Ah, c'est pour ça qu'il est tout vieux et tout squelettique. Comme le film avec Timberlake qui est nul. Oui. On est dans le time limite. Alors ouais, combien de temps est passé par contre? C'est le seul truc qu'on doit trouver comme info. J'ai un blanc là. Ouais, c'est depuis avec le maître du château. T'as dit qu'on pouvait savoir là. Avec les 60 jours ou je sais pas quoi. Oui. Oui, enfin je crois vite F. Je sais pas, t'avais l'air d'avoir. C'est qui dit il n'a pas eu d'emploi évalué à 64 depuis le nouveau régime. 64 non travail. Il est comptabilisé comment le travail, tu vois, genre par an, par jour? À dire par an? Comme ils enlèvent des années au point, tu vois. Ouais, ou 75, c'est par jour, je pense. C'est vrai que... Ouais. Et du coup, ce serait pas en année, mais en mois. Ça beaucoup. Là, il disait pas. Ah, c'est pour ça que l'autre, il est mort sans... Il respire juste plus, quoi. Plus on avait le nom de la vertu ici. C'est vraiment écrit la vertu de modération. Ah oui, bon, c'est le texte qu'on était moins motivé à lire. C'était très... On n'était pas investi. Attends, c'est là que tout se joue. Oui, je pense. Voilà, à l'arche-pied là. C'est le bout de tête chiant ça. Il y a un nouveau parlement depuis 92, c'est ça? Ça fait 3 ans. Ce serait trop drôle. Que, en j'ai fait, mis 3 au début. C'est moi qui ai mis 3 à la fin de l'avant. Vas-y, je le mets juste pour la blague. On avait la réponse. on savait sans savoir. On est des génies, mec. On est bon, ça va, on s'en est bien. Vas-y, on peut continuer. Ça avait l'air tellement plus bien. On a tout compris. Oh, non, on sait comment ça se passe la deuxième énigme. Oui, j'avoue. Putain, on a mis. Bah attends, moins 20 minutes d'intro, on a mis 48 minutes. Ouais, c'était long au début, mais ça va. On retourne à la section scénario. Allez, suivant les gars, suivant. On va essayer, on a le temps, oui. Ça, on a le temps. Oui, on a en tout cas une bonne heure encore devant nous, donc on va essayer de la résoudre. On va redécouvrir. Le léger report de la marche pacifique, dont il parlait dans le journal d'ailleurs, vers le château du roi. Belle transition. Il y a une vraie transition. Oh non, bordel. Je regrette d'avoir cliqué. Regarde en bas, il y a 4 livres. C'est quoi ce bordel? Mon dieu, tu regardes ce que c'est. Vas-y. Non, bah c'est à chaque fois un truc à remplir. Ça, c'est tout le matin, ça, okay, mais ça va le faire. Attends, c'est quoi? Ah, c'est genre à chaque fois une heure. Tôt dans la matinée, avant midi, dans l'après-midi, ok. Oh là là, ok, il y a tout un parcours à suivre, tout un machin, il y a des dégâts. Ok, on va... Non. On va se lancer. On va partir de ce petit village. Ouais, faisons... Ici, il y a des militaires. Une tente. Putain. Dans la tente, il y a un tableau. Oh non, mais attends, regarde. On est mort. Alors, le château de Belchester. Prenez des notes. Ouais, là, va falloir prendre des notes mentales.
le manoir Noirchamp. Chalet de Kingsley. Refuser des amants. Attends, tiens, je vais vérifier un truc. Ah, mais comment je fais du bruit dans le jeu? Comment je fais du bruit dans le jeu? Comment ça? En fait. J'aimerais vérifier s'il y a un décalage son. Bon, tu vas me dire sur ce jeu, c'est pas. Ouais, on s'en fout en fait. Vas-y, on s'en fout. Dire c'est la musique qui se décale ou les oui, on s'en fout, ça changera rien. Croisement de cloche-bois, chalet, gîte, camp. Vas-y, c'est bon, allez hop. Suivant. Là, il y a une statue de Lazarus Hearst. Ah, je peux prendre son nom. Ok. Il y a un coffre. Dans le coffre, il y a un livre. Dans le livre, il y a. Non, mais. Plein de marque-pages. Tu te rends compte qu'on est parti d'une map où il y avait plein de points. Oui, je sais. Dans un camp où il y avait plein de points dans une tente, il y avait plusieurs points dans un livre. Où il... Enfin, dans un coffre. On il va devoir trouver quatre chemins de bonhomme qu'on fait 6. Waka. Walter Keane. Ambitieux et inventif, mais traître. Comme beaucoup de gens intelligents. C'est vrai. Ah, c'est vrai, je suis un traître. Je suis désolé, j'avoue. Je suis con. Sardeur. Cupide et hédoniste nécessite une motivation matérielle constante pour coopérer. Ah, c'est les soldats en fait. Je sais pas, je pense. Alistair Corp. Oh non, pas lui. Alistair. Jean-Marie, à nouveau le retour. Alistair Corp. Celui qui écoute des marches militaires. Prétentieux et vaniteux, mais étant un militaire, est prêt à obéir et à tuer. Ça ne m'étonne pas du tout de lui. Un bon soldat. Ce qu'on lui demande. Il y en a un, c'est le NEM. NM. Lâche, mais appliqué. Utile jusqu'à un certain point. On saura jamais. Il est utile jusqu'à ce qu'il y ait un premier coup de balle qui parte. Ouais. Après, il s'en va. David Goran, c'est l'exécuteur. Lui, il doit être vénère. Depuis sa réussite au gîte de la petite sirène, s'est avéré être un professionnel discret et plein de ressources. Ça ne m'étonne pas. Il a une tête de tueur. Un vrai hussard napoléonien, ça. Là, il a une cage. Dans la cage, il y a une lettre. Vous m'avez pris 32 choses. Lazarus, vous m'avez pris 32 choses. J'exige que vous me les rendiez. Si vous refusez, je révélerai l'histoire de vos origines aux autres dirigeants du parti. What? Oh. Le 15 mai à 11h30, retrouvez-moi à l'endroit où l'on a volé l'idole à notre cercle et où le pauvre Willard Wright a trouvé la mort. Venez seul et apportez un gage... Attends, à quelle heure? 15 mai à 11h, donc c'est le matin. Venez seul et apportez un objet qui vous est cher à donner à la femme voilée. Attachez votre réponse sur ce pigeon et relâchez-le de sa cage, il me retrouvera. Ok. Donc il l'a fait. Ça c'est fait du coup. Vu qu'on est après. Ouais. Donc 15 mai à 11h30. Il y a un moment où il disait le matin. Tout le matin. Ouais, bah, c'est pas tôt le matin 15h. 11h30. Ouais, ouais. Là ça avant pourrait être midi. Là. Ouais, par exemple là, ouais, bon. Midi ou comme continuons ça. Notre enquête comme d'hab. On prend tout. Ouais, c'est peut-être une erreur d'ailleurs. On prend tout et après on est dans la merde. Mais c'est. Ouais, mais c'est mieux parce qu'en fait sinon tu penses déjà des trucs et après tu te rends compte que en fait non ou au final la réponse. Alors vas-y. Oui, cela fait plusieurs heures que le camarade Lazarus n'est pas revenu. Les camarades dont il est parti. Ouais. Les camarades Alistair et James sont allés le trouver. S'ils ne reviennent pas, nous enverrons d'autres membres trouver nos équipes perdues. D'accord, donc il y a c'est des petits parus. Ah, c'est le vieux à nouveau. C'est celui qui dirigeait le tribunal avant. Je pense que c'est Lazarus Hearst. Mais je suis pas sûr. Ouais. Là, il y a une. Alors, sur le chemin, si on remonte la piste, donc. Il y a une meuf qui fait le linge. Ce régime doit tomber. Il m'a tout pris. Elle est dans. Tu sais, c'est les paysans dans. Ah. Dans Sacré Graal. Ah. Il parle de politique, on ramasse les déchets. On est mort, on pas avoir on est dead! La monde fonctionne et indique midi, tiens. Ok, c'est bon à savoir. Une Navaja. Navaja. Rapport matinal de la route. Pourquoi la Zazurelle? Rapport matinal de la route de la capitale. À 8h, une voiture d'insurgé, dernier cri est passé. À 8h30, un individu à l'uniforme d'insurgé est passé sur un nouvel engin à deux roues. Chez Jean Moto. À 10h15, deux individus à l'uniforme d'insurgé sont passés à cheval. Ok. Le matin, il y a eu trois... Les insurgés, c'est eux, hein, si jamais, je pense. Mm-hmm. Je pense. Parce que c'est eux qui ont l'air... Non, peut-être pas, peut-être je dis de la merde. Non, ne prends pas ce que je viens de dire pour acquis. C'est en fait... En vrai, ça jouerait que les insurgés, ce soit le campement, et que les pas insurgés, bah, ce moi, soit les bonnes pour moi, les là-bas, insurgés, c'est tous ceux de l'ordre qui font partie du gouvernement, oui. Qui se retournent contre le roi en allant au château. Bah, en plus, l'ambiance, ils sont tous nés en 1750, ouais. On est clairement en 1790. Enfin, il y a notre ami militaire, il y a l'autre, Cor. Pourquoi ne travaillez-vous pas, sale petite fouine? Ah, il a l'idole. J'ai fait la même chose que ce que j'ai vu Lazarus faire lors des exécutions de mérite. Ouais, t'as vu, on commence à fatiguer. On fatigue.
Bon, il y a la statuette. Je n'y arrivais plus. Un sabre légèrement cabossé. Ah, il essaie de faire vieillir la pomme. Ok. Tant mieux, non, mais... Oui. Mais je crois que ça marche pas pareil avec les pommes. Oui, c'est... Il y a tout un délire. Ok, il y a un mec mort. Étrange. Il y a un mec mort. Ouais, avec un casque. Un homme coiffé d'un casque, la dépouille porte de nombreuses entailles, ne respire plus. Il y a un mec. Légèrement cabossé, taché de sang. Okay. Il s'est battu, donc il y a un autre mec blessé, peut-être. On a vu que l'autre a réussi un sabre cabossé, le militaire. Ah. Pas de page de sang. Château de Belchester, noir champ, ok. Putain, okay. Ça va être super chaud celle-là, je le sens. Port. Ok. Capital, ok. C'est plein de petits trucs, mais une fois le tout. Oui, oui, oui. Il y a des trucs qui sont annexes. Un tout nouveau mode de transport. Le un vélo. Truc à deux roues. Ils ont vu passer un truc à deux roues. Enfin, un gars sur un truc à deux roues. C'est bien que tu l'aies noté, je l'avais pas noté. Et un cadavre. Un pistolet vide et un pistolet chargé. Il a pu tirer une balle. Ok. Ah, et puis il a le même casque. Soyez maudit, fourbe le diable. Vous me trouverez à l'endroit où nous nous sommes rencontrés. Là-bas, nous pourrons discuter. D'accord. Et il s'est fait backstab. Ah, il y a un mec tout nu, je l'avais même pas vu. Ils ont pas trop discuté. J'avais même pas vu l'homme nu. Ah oui, le fameux. Ah, il est oh, pas je nu. Reconnais cette voix. C'est vous. Par ma vie, c'est l'ironie de vous. Vous vous êtes fait avoir par le même pièce il y a des années par un homme de paille. Ok. Il a un pistolet, il a une balle. Ah, donc il a tiré sur l'homme de paille pour essayer de l'abattre et lui il a dû le descendre en derrière en voyant qu'il voulait l'abattre. En mode sale. Ouais, mais il avait raison de mettre un homme de paille, ça veut dire que lui il est venu en mode par la fenêtre, regarde, il y a un petit trou. J'avoue. Il est venu, il a fait hier et il a tiré dedans pour buter le gars. Je pense qu'en fait, le militaire a envoyé un gars au rendez-vous pour buter le gars qui le faisait chanter. Un autre gars, ouais. Et là, l'homme de paille a pris une balle probablement. Sûrement. Il a pris une balle dans la tête. On est pouvant pas y avait un trou dans la tête, joli. Bien pensé, hein, ça. Une balle logée dans le mur. Ça, c'est donc le mec qui est devant la fenêtre, ok. Ouais. Là, il y a donc y a le fameux pigeon. Oiseau, le pigeon. Pigeon blanc. En plus, il venait pas de loin. Jamais. Vas-y. Jamais vous avoir peut-être traité injustement après notre longue coopération. Je viendrai seul, en paix, pour que nous puissions discuter de votre compensation. En paix. Donc, ça, c'est ce que lui a répondu. Lazarus Hearst. Ouais, il est venu mais sur en fait, le... ce fils il de est venu pute, sur le deux roues. Il n'a pas envoyé. Je pense pas que le mec mort par terre ce soit Lazarus Hearst. Ou peut-être. C'est peut-être l'autre. Par parce que moi je pensais que c'était le chef du camp, mais en vrai, parce que la tente ressemblait à la tente ouais, d'un chef. Ça ressemble à peut-être que c'était pas le chef, le mec assis, et que c'est le gars qui est mort là. C'est possible. C'est possible. Ok. Et donc lui, c'est le gars. Ok. Encore pas mal de points. Ouais, non, on est mort. Ça va. Il y a le pas château. Tout en haut, il y a pas. C'est le château, ça. Eh ouais, on était au début. Il y avait le cheval. Il y avait le cheval. Ouais. La première enquête. Et calciné. Ok. Oh putain, le canon. Un canon vide. Ouais, ils se sont fait dégommer. Quoi. Ah oui, à l'entrée. On n'avait pas passé la bonne porte. Il a fait toc toc. Bonjour. Bon, ça va, la vie est belle. Et un cheval qui court derrière. Ah, c'est pas le cheval qui avait derrière la fenêtre la dernière fois. C'est un cheval. Quand noir, le mec était. Ah oui, mais non, t'as raison. Je sais pas. Peut-être. Un cheval qui court. J'ai une courte mais urgente commission à faire à la propriété de notre regretté frère Sébastien, l'ancien régisseur Fierbet. Je serai de retour au camp à 10h pour réunir... pour notre réunion stratégique. Pour notre réunion stratégique comme prévu, Lazarus. Il viendra jamais, il est mort. Du coup, c'est bien lui qui est mort là-bas. C'est son cheval, mec, il est clairement camé. On avait déjà vu ce... Ouais, c'est le saut des sept mers, là. C'est le saut 7. C'est le saut 7. Le saut des sept mers. Mon cher Marie, vous êtes si courageux et vous n'avez cessé de boire depuis tôt ce matin. Ah là là. Quel courage. Mais qu'allons-nous faire désormais si les hommes de ce terrible gouvernement nous trouvaient? Mon Dieu, Hélène. Ah. Ah oui, bah déjà, j'espère qu'ils font pas partie de l'ordre parce que la harpe et le livre et oh, l'alcool et le sexe. Oui. Ah ça, on l'avait déjà lu. 40 points. Pour vous, je pourrais combattre un ça, on l'avait déjà lu. Et Peter Butler. Marie, mon oncle Edmund Clusley est mort lors d'une affaire de vol et me voilà riche. Votre père va enfin me voir pour l'homme que je suis. Marions-nous, Peter, 10 décembre 1788. D'accord. Donc. Que dire, dans pas longtemps, c'est la révolution, on est là. Il a envoyé ça. Devenez la fleur pure, je sais que vous pouvez être pour moi, Edmund Clusley. Chère Marie, je sais où votre indigne compagnon vous cache. Bientôt, je vous libérerai de ses sales pattes et l'enverrai aux colonies. Tandis que je vous mettrai sur un piédestal afin... Pardon, fait de 12 éloges, et vous deviendrez ma femme idéale.
Edmund. Donc Edmund, il voulait se taper chaud, mais elle aimait Peter. Ça a été écrit 7 ans après l'autre. En fait. Attends, quoi ? Alors, regarde la date sur celle-là, 1795. Ah ouais. C'est long. J'avoue, leur histoire est mignonne. Ne vous inquiétez pas et continuez à festoyer femme. Ouais, oui, il est bien lui. Rien ne saurait me barrer la route. Je compte bien tuer nos ennemis où que l'on aille. Femme. Place de whisky. Attends, c'est vide. Presque vide. Moins 7 points. Un ticket de Paris pour une course hippique. Ok. Il est misé sur le cheval. Une épée court. Ok. Normal. Ok. Une épée longue de cours. Oh mon dieu. Mon dieu. On a presque tout, c'est bien. On avance. Un bateau. J'ai eu peur que tu la cales, les 4 étages de bateau. Oh merde, hey, on est déjà vu, on se bat. On a presque tout trouvé. Putain, mais on connaît tout. On connaît tous ces endroits. Oui, tout est simultané dans le jeu, on dirait. Baliverne, je ne suis pas idiot, mais de vrais hommes. Comme nous pourrions battre ces mauviettes du parti de l'ordre sans même une arme. Il a une main. C'est bien. Moi, j'en ai deux. Il a une main. Une épée courte. Il a une main dans ses mains. Une épée de cour. Une épée de cour. Pardon. 2 francs d'Albion. Putain, mais on a changé de thune en fait. Non, on a changé de. Ah oui, il passe 3 ans, oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. On a changé de principauté, enfin pas de principauté, mais de gouvernance. Et d'après les rumeurs, vous auriez perdu un canon au jeu. Elle a une main, elle aussi. Ouais. Et un peu d'argent. Le canon, on sait où il est. Et ok. Ah oui, je vous. Vous pensez qu'ils vont essayer de kidnapper le roi? Kidnapper le roi? C'est un enfant, le roi? Moi, bon, et mon employeur qui tombe ce fichu pays. En vrai, on peut utiliser kidnapping pour les adultes. Ouais. On dit enlèvement. Une petite main. Un mouchoir brodé. Je lui demander d'arriver vers 11h30. Il portera très probablement un uniforme du parti de l'ordre. S'il vient seul, sans renfort à l'extérieur, allez lui parler. S'il vous donne un objet ayant appartenu à celui qui a échappé à votre tonique. Quoi ? À votre tonique ? Il y avait une boisson empoisonnée. Okay. Ah oui, d'accord. Vous pourrez lui donner la note avec les instructions que je vous ai données. Cachez votre visage, il pourra vous reconnaître. Ok. Complexe. Une dague. Une dague. T'as pris un dessin animé là sur le mur, c'est quoi? Ah oui, lui. C'est un dessin. Il a un citron. Oh. Tous ces rats de l'ordre tirent dans le coin. Je n'aime pas ça. Sale rat. J'espère qu'ils vont se contenter de me faire chanter. Puisqu'ils partiront, pardon. Je comprenais pas me un faire chanter, j'étais à quoi. Cuisine. Mais oui, ok. Un trousseau de 7 de clés. 7 ? Pas 8 ? Non, je rigole. Citron passé, moi, on s'en bat les couilles. Il non, a un registre. Le registre est important par contre. Chambre pissenlit, Anna Baker de nuit. Chambre Misiosotis, Walter Noss de nuit. Ok. 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 On a tout. On va essayer, on a tout. Voilà, on doit résoudre l'enfer. L'affaire. Là, on a tout, on le clémost. Non. Putain, attends, on est mort. Oh là là. Tout le matin. Va falloir avec quoi, savoir avec quoi ils se sont déplacés. Parce non, que déjà, moi j'aimerais le livre sur... Non. Ils ont découvert la fameuse non, idole. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non mais c'est 11h, c'est pas... Attends, on n'a pas grand chose. Tôt dans la matinée. Il a tué le machin. Attends, il y a un mec qui a tué tout le monde ou c'est à chaque fois des gars différents qui ont tué des gars différents? Attends, il y a eu autant de meurtres. Il y a eu autant de meurtres? Oui, bah si, parce que oui. Parce que regarde, il y a techniquement, il y a le gars là. Merde. Tu penses que l'homme de paille, c'est un truc que tu as tué? Il a tué l'homme de paille? Non. Là, il y a un gars. Et merde, c'était où? Ici, non. Attends, je sais plus. Je dirais au milieu là. Non, c'est la petite ça. Bah là il y a des morts, mais bon. Ah oui, il y a des morts aussi. Ah bah oui, est-ce que ça compte? Oui, oui, clairement. Elle sait dans quel ordre ils sont passés. Ouais, c'est ultra important ce qu'elle dit, c'est horrible. Il y a eu d'abord. 8h, voiture d'insurgé, dernier cri est passé. 8h30, un individu. En gros, la voiture, l'engin à deux roues, qu'on a vu vers l'homme de paille, là, je pense. Et deux à cheval. Il y a eu voiture, deux roues, cheval. What? Qu'est-ce que tu fais ? Merde, pardon. Je suis remonté dans le temps. Okay. Je savais pas que je pouvais faire ça. Je savais pas non plus. Ah, ça veut dire qu'on pourrait aller. Attends, t'es en train de me dire qu'il faut aller rechercher les. Non. 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 Me dites pas qu'il faut aller rechercher les trucs genre en arrière. Parce que là, il y a tous les stages. On est mort.
C'est vraiment le stage final, le truc, quoi. Oh mon dieu. Non, on va faire ça sans. On va faire sans. On va faire sans, instinctif. Regarde, il y a trois histoires, concrètement. Oui. Et ça, c'est le lien des trois histoires. Il y a eu trois meurtres. Donc, tôt le matin, qui s'est rendu où? Chalet, refuge... Pour moi, c'est le mec qui a reçu le message. Kidnapper, faire chanter, combattre. C'est qui déjà tôt le matin? Faut qu'on trouve quelle histoire a un rapport avec tôt le matin. Putain, on est mort, c'est chaud. C'était quelle heure leur histoire? C'était 11h, je crois. Vers 11h30, ok. C'est plus vers midi. Lui, il avait rendez-vous à 11h, alors est-ce que le temps de faire le trajet et tout, il est parti tôt le matin, tu vois. Plusieurs heures que Lazarus n'est pas revenu. Donc ouais, Lazarus, c'est bien le mec mort là-bas, ça c'est sûr. Les camarades Alistair et James sont allés le trouver. D'accord, ça c'est les deux qu'elle a vu passer après. À cheval. Et Alistair... Lazarus, il était à vélo. C'est lequel, corps? C'est Alistair. C'est Alistair, corps. Je crois. AK, Alistair, corps. Ouais, ok, et... On a dit... Lazarus. Non, et puis l'autre. Alistair, il est parti avec Walter, je crois. D'accord. Ok, donc le mec mort, c'est Walter. Ok. On a des noms. Et je pense que Lazarus, c'est le mec qui est parti en premier. Donc, attends. Parce que pas que je parte comme un con, je fais quand même... C'est bien Walter, hein. Non, Alistair et James, putain, tu vois, j'allais partir sur une mauvaise piste. Oui. C'est James. James, c'est lui. Donc c'est James Turner qui est mort. Ok. Je pense... Donc là, ils sont en train de revenir. Ok, donc elle, ce qu'elle a vu, concrètement, ça donne. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais en plus, on sait pas si elle passe dans ce sens ou dans ce sens. Peut-être que la voiture, c'est dans ce sens, parce qu'il y a une voiture au campement. Non, ok, c'est bon, j'ai compris. La voiture dernier cri, elle est partie dans l'autre sens, vers le campement. Tu penses? Oui, parce que va au campement. Désolé. Oh, vas-y. Ça, c'est la voiture dernier cri. Ouais, t'as raison. T'as 100% raison. On l'a vu nulle part d'autre. Ok. Vois. Le mec en vélo, par contre, c'est bizarre. C'est Walter Keane. C'est Lazarus qui est parti en vélo. Qui est parti à vélo et qui s'est fait niquer là-bas. D'accord. Donc, Lazarus est parti à vélo à son rendez-vous et il s'est fait dégommer. C'est où cette histoire? Je pense que c'est celui la première, je pense. Tu penses? Ouais, je pense que c'est tout le matin, Lazarus, machin, s'est rendu pour... à l'endroit pour faire la... Bon, vas-y, tu sais quoi? On va essayer, okay. De toute façon, vaut mieux tenter. Lazarus, Hearst... C'est rendu... c'est le chalet. Attends, parce que j'ai une carte pour savoir ce que c'est. C'est... Le chalet. Le chalet de Cruzley. Ouais, c'est le chalet. Ok. Une fois au chalet. Une fois au chalet. Chalet. Pour... Et il avait l'intention de trop... Pas faire chanter. Non, il voulait pas le faire chanter. Attends, c'est l'autre qui le faisait chanter, c'est pas lui qui faisait chanter l'autre. Non, c'est l'autre qui le faisait chanter, je pense. La lettre est adressée à... Lazarus, ouais. Bah, il lui dit la douche chose, machin. En fait, il faut qu'on prenne chaque histoire indépendamment l'une de l'autre. On va faire d'abord celle-là à 100%. Là, on va direct aller, du coup, voir ce qu'il lui a envoyé. Je me rappelle plus ce qu'il lui a répondu. Parce que du coup, on sait que ce qui est accroché au pigeon là... Oui. C'est sa réponse à Lazarus. Je sais plus ce qu'il lui a dit non plus. J'admets avoir peut-être... Ah voilà. Oui, il venait en paix. Donc il venait pas pour le tuer. Il venait pour discuter. En vrai, c'est de l'arnaque. Il est venu le tuer. Parce que oui, la preuve, c'est qu'il s'est placé devant la fenêtre. Non, c'est vrai. Il est venu pour tuer. Il est venu pour tuer. Par contre, c'est qui le fait chanter? C'est le mec par terre. Oui, mais... merci. Merci de cette grande information. Non, c'est pas le mec par terre. Lazarus, c'est le mec par terre. C'est lui. Mais je sais pas qui c'est. Ah, mais il a le logo là dans le dos. C'est qui a déjà fait le... On a déjà eu le. Je crois que c'est pour ça qu'on a ça. Attends. Oh. Attends, je suis en train de me chier dessus. Il lui dit qu'il y a des années, il a fait le coup de l'homme de pain. On peut pas rembobiner le live. Je peux rembobiner? Non, je peux pas. Putain, faut que j'aille dans un ancien. Faut que j'aille voir une ancienne vidéo de nous. Pourquoi? Mec, parce que si ça là, ce logo, il y était pas avant, c'est vraiment pas bon signe pour nous. Ça là, en bas là, en coin là. Ah ça, non, il y était pas avant. Il était pas? Il y était pas. Bah on est mort. Ça veut dire qu'il faudrait le mort partir en arrière pour savoir qui est qui. Parce que, il y a déjà eu l'homme de paille et lui c'est un noir main. Avec deux yeux là, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que... Ah oui non mais attends, je suis con mais en plus... Attends, c'est bon, j'ai capté. Ils en parlent dans l'autre lettre.
Il lui dit, rappelle-toi quand on a fait tel truc, et on a lié, mais on était là. Ah. Donc, forcément, faut qu'on aille à ce moment-là. Voilà. Où le pauvre William a trouvé la mort. C'était déjà quand, ça? William Wright. On a volé l'idole à notre cercle, et où le pauvre Willard Wright a trouvé la mort. Enquêtes, on l'a retrouvé en les voyant. Faut qu'on renvoie. C'est qui Willard Wright? J'hésite, ça pourrait être... Je regarde, le nom des mecs morts. Augustus Valentine, non. On est dans la merde. Je me demandais si c'était pas... On est dans la merde. Non. Ça remonte, putain. Ça remonte. C'est vraiment des... La secte. C'est des salauds. Oui, c'est un Normand. Oui, mais là, on sait pas qui est qui, donc ça, ça va pas nous aider. Là, c'est pas une enquête où on pouvait savoir qui était qui. On ne savait pas qui. Enfin, c'était juste exécuteur ou leur statut, quoi. Ah, mais je suis con. On cherche un endroit qui est dans le chalet, en fait. Je suis en train de chercher comment teubé. Mais en fait, on cherche juste le chalet. Je sais juste pas où il est, le chalet d'été. Je me rappelle plus, moi, ça remonte. C'était là, à l'auberge. Ouais. C'est bien, on sait, faudra peut-être y retourner. Ça, c'est en ville. C'était la première. Ça, c'est le château. Mmh. C'était qui la première victime? Sébastien, plus de... Attends, mais c'est où qu'on était dans le petit chalet alors? Ah ouais, à quel moment on était dans le chalet? Ouais, je m'en souviens pas. Peut-être ici, mais il y a qui? Ce serait ça? Les gens. Ah, mais oui, c'est ça. C'est... Regarde la table. Ah, ouais. Je pense. Je me dis, ouais, peut-être. On peut voir les gens qu'on a. Ah, mais non, Edmund Clausey. C'est qui qu'on cherche? Ouais, merde, je sais même plus. Oh, je suis perdu. Je t'avoue que je préfère le dire. Ah, je sais même plus ce que... Oui, oui. Est-ce que c'est Lazarus? Willard Wright, putain, j'étais même plus sur le vrai nom en plus, réellement. Willard Wright, WW. On a volé une dame à notre cercle. Willard Wright, oh, mais attends, le 15 mai, c'est... pourquoi on n'a pas les dates des... On est con. Je regarde les noms. On n'a pas de Willard Wright. On va vraiment, c'est chiant, mais on va le faire comme ça. On va juste checker s'il n'y a pas un Willard Wright à chaque fois, et puis Willard Wright, Willard Wright. Mais peut-être que là, on est sur une fausse piste. Non. Oui, mais on a regardé tout ça, on a regardé, tu vois. Il n'y a pas de Willard Wright. Je pense que c'est... Je préfère refaire là-dessus, en fait. Je pense que c'est... Merde. Là, il y avait Willard Wright. Ouais. Willard Wright. Ah bah c'est la victime. C'était à l'auberge, du coup. Ça se tient, c'est pas très loin. Ouais, mais non. Alors pourquoi il lui dit venez là-bas et il y a eu un meurtre? Attends. Moi j'ai pas l'impression qu'il lui dit de venir au même endroit exactement. Attends, oui, mais alors attends. Qui a tué? Revérifie qui a tué machin parce que c'est ce... Regarde le livre à côté. Ah oui, oui. Parce que là ils étaient ensemble du coup pour voler le truc, l'idole. C'est H. Blair. Il a pénétré dans la chambre du Willard Wright pendant que les autres y jouaient. Il y a un truc qui joue pas. On est suivi à l'étage. Il y a un truc qui joue pas. Il n'y a pas de Lazarus là. Il est où Lazarus dans cette histoire? Il est nulle part. C'est vrai qu'il est pas là. Attends, t'as dit c'est lequel qu'on avait... C'est H. Blair qui l'a tué. C'est H. Blair? Ouais, c'est lequel déjà, H. Blair? C'est lui? Regarde sur les persos, on saura sa tête peut-être. Non, H. Blair, c'est le mec en bas. C'est un des mecs qui joue aux cartes. D'accord. Oui, mais il dit ce pauvre... Le vol de l'idole, c'est qui a volé l'idole? Qui a l'idole? Attends, on repart en arrière. Il n'y a pas dans le texte, je viens de le lire. Ah oui. Qui a l'idole à ce moment-là? Faut qu'on clique sur eux. On est reparti dans une autre enquête, c'est trop drôle. Qui a l'idole, bordel de merde? C'est lui le tueur, en plus. Le fuyard, il avait l'idole sur lui. Je crois pas, non. En fait, est-ce qu'il y avait l'idole dans cette histoire, dans la petite malle? Là, il y avait l'idole. Elle a été prise, en tout cas. Oui. Sur lui. C'est lui qui l'a volé, l'idole. Mais non. Lui, il était censé se planquer, c'était le mec qui devait être en distrait. Ouais, mais attends. Attends, elle est où l'idole, bordel?
voir. Tiens, mais ça va pas changer grand chose. Sur la table, peut-être. Lui, on pouvait l'ouvrir aussi. Ah non, non. Ah, genre juste poser. Non. Mais qui là, l'idole? Il me semble que tu étais à chaque stage. Mais moi aussi. Faut qu'on la retrouve. C'est complètement rien de. Va en bas. Ah oui, non, ça vient ici. Et la porte était juste. Le violoniste. Sur lui? Ouais. Non. T'as fait les trois gars de la table. Ouais. Refais le tueur, ouais. À droite. Enfin, ah, lui, ouais. Pardon, je savais plus qui c'était. La lettre qu'il a, elle est de qui? Nos noms doivent rester immaculés. Moi, je pense que c'est lui qui a volé l'idole au passage. Attends, relis la lettre, on rouvre la lettre. Ouais, produit à qui? Donc, lui, il a tué le gars et il a volé l'idole. Ouais. Donc, le mec qui est derrière, ce serait lui. Et du coup, c'est H. Blair, t'as dit? Lui, c'est H. Blair, je crois. Ouais. Ok. Maintenant, retourne à notre enquête actuelle. Est-ce que ça correspondrait? C'était... Non, à côté. Ah, non. Ah, c'était une croix, ça. T'en passes, passe, passe, parce que comme ça, ah, je... Ah, c'est... Ah, c'est chiant à prendre en main. En plus, il y a un côté, quand tu cliques, toi, tu te rappelles où c'était. Et quand tu vois, bah, tu sais où sont des trucs. Lui, ce serait H. Blair. Attends, et homme de paille. Il nous dit homme de paille, et là, il y a un homme de paille. Il y avait un homme de paille, ici? Oui. Ah oui, ici. Dans le cercueil. Il s'est fait avoir. Ça, c'est H... C'est qui? Regarde, on avait tous les noms, ici. Pas de lui, à part... Ah si, David Goran. Mais là, il n'y a pas... Le petit pipe. Mais à nouveau, ça rend fou, parce que... Alors, est-ce qu'on se trompe, là, et que, en fait, c'est pas lui... Oh là là, il m'embrouille. Regarde, pourquoi il parle d'un autre gars encore? Je sais. Alors que là, il est censé être face à Lazarus. Alors, c'est pas Lazarus? J'aurais dit si. À moins que Lazarus, c'est l'autre gars qui a le casque. Qui est vers la croix, qui s'est fait descendre. Non, tu vois, oh, je reconnais cette voix, c'est vous. Tu vois, il a l'air surpris. Oui, ce serait pas Lazarus? Mais bon, et Lazarus, c'est l'autre gars dans les bois? Qui se sont mélangés parce que les deux avaient le casque et puis qu'il y avait putain, deux. Putain, ouais, il y a eu un... Oh, ce serait très drôle. Il y a eu un version. Drôle, tu vois, ouais, et que là, ce serait Lazarus R. C'est ça. Parce qu'en vrai, c'est les deux sur le. Comme ils nous les montrent pas et tout, c'est le truc où ils J'avoue clairement nous minder là-dessus, quoi. Il nous manque un mort. Bah, c'est le dans le château. Oui, mais ça, c'est des mecs brûlés, ça veut rien dire. Ils ont pris un gros coup de canne, quoi. Mais attends. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que du coup, ici, il s'est trompé. Donc il y a bien... Ah oui, non, mais ça explique tout, en fait. Et donc, celui qui est là, qui est mort... Enfin... Attends. James... Est-ce qu'il y a un James? Il n'y a pas de James. Walter Keane. On a David Goran... En commun, je crois qu'il y a Walter Keane. Oui, il y avait un Walter Keane. Mais alors, du coup, dans les soldats. Ils se sont plantés. En fait, j'arrive plus à comprendre. Putain, il faut shake au casque, là. Parce que regarde, le problème, il est là. C'est que Walter Keane, ok. Mais les deux gars qu'il a envoyés derrière... Oui, les deux à cheval, là. Alistair et James. Alistair et James sont allés le trouver. Ça peut pas être Walter. Y'a rien qui nous dit que c'est pas James qui est parti, mais Walter à la place, tu vois. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et lui, il a quoi sur... Il a rien sur lui, il a l'idole. Il a l'idole. J'ai fait la même sauce que je suis vu. Lazarus faire lors des exécutions de mérite. Enfin, il essaye d'utiliser l'idole, en gros. Non mais là, on est mort. Attends, il faut qu'on commence à faire des choses. Il faut qu'on tente des choses. Bon, là, en tout cas, ça change pas notre truc. Ce serait techniquement... Ah bah, il y est même pas. Super. Il y est même pas. Super. Nicolas Mathieu, du coup. On a quoi comme nom possible? Mais en fait, c'est pas un des soldats. Putain,
c'est dur. Attends, mais oui, mais attends, si on part de notre principe, bah il s'est pas rendu au chalet du coup. Non, il l'a pas atteint. Ouais, mais du coup, la phrase n'a aucun sens quand il... Oui. Attends, c'est méga chaud. Là, c'est chaud, là, c'est chaud, faut qu'on se concentre. Ça, c'est les deux qui sont partis de retrouver... Ouais. James, enfin... ils sont trouvés... Trouver Lazarus. Alors, le truc qu'on peut mettre, faut qu'on les mette. C'est ça. Et là, on sait du coup que normalement, c'est censé... Normal, à moins qu'ils aient fait une douille, c'est Alistair, Cor et... James... Turner. C'est ça. On va dire que oui. C'est ça. Ils ont découvert la fameuse... Idole. Idole, ouais, souvent c'est ça, mais... Ah non. Idole dorée. Ouais, allez. Oh. Bah, c'est là où est... Il y en a qu'un, en fait, tu sais, avec l'idole, c'est ça, tu sais. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'idole? Ils se sont fightés l'un l'autre, tu vois. Mais c'est ça. Ça. Ils l'ont trouvé où? Il est où, le monsieur avec l'idole? Enfin, au croisement, là, tu sais. Au croisement, bah oui. En fait, c'est là où il y a le panneau et qu'il y a le mort. Oui, pourquoi ils l'auraient trouvé au croisement? Ça n'a aucun sens. Je pense qu'ils l'ont trouvé au chalet, du coup. Je pense qu'il était au château, au chalet. Qui avait l'idole en dernier? Bah là, c'était... Tu sais quoi, j'ai envie de tenter chalet. Ils se sont disputés sur le chemin du tour en allant jusqu'à tuer l'autre. Ouais, ouais. Voilà. Donc, il n'y a qu'une erreur et ça doit être chalet, t'as raison. Du coup, tu dirais quoi, toi? Croisement? J'aurais dit croisement. Non, c'est pas croisement. Mais c'est bien là l'erreur. Alors, château? Au château, on peut tenter. Hein. Attends, non, la mof dans le bar. Il n'y avait pas un lien avec l'idole? Elle avait une lettre assez importante sur elle. Ouais. Vas-y, on va tous les tenter, on a un peu la flemme. Je vous avoue. Bon, alors, pas château, refuge. Manoir, c'est peut-être le manoir. Je me rappelle plus des noms des endroits. Oui, c'est ça. Dans le château et manoir, on voit ça. Non. Gîte. Gîte. Non. Au camp? T'as mis le camp? Mmh. C'est le seul qui manque. Mais c'est bizarre. C'est la seule chose qu'on a faux alors. T'es sûr? Bah. J'ai l'impression que ça change rien. Ou lui, enfin je sais pas. Oui, j'avoue, on a tout fait. T'as raison. Oui, mais vu que ça change rien, ça veut dire qu'il il fait partie de l'erreur, parce que ça passera en rouge. C'est ça. Mais t'as raison, il y a une deuxième erreur. Alors attends. Avant qu'on galère. C'est bien les deux bons gardes. Je vais vérifier le James Turner, vu qu'on a eu un doute. T'imagines, c'est pas Ouais, non, JT, c'est bien James Turner. C'est bien James Turner. Et c'est bien les deux qui sont allés. Alistair, Cor, ouais, il y a bien pas de doute. C'est pas Walter Tin qui était parti. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Imagine, il y a une douille. Ouais, non, parce que genre, ça ferait plus de deux erreurs. Ça ferait plus de deux erreurs. Oui. Là, il y a une erreur sur un mot. C'est ça. Ça nous aide vachement, cette histoire. Donc, c'est peut-être juste pas tuer. Ou idole dorée. Je pense juste qu'il a tué l'autre. Il n'y a pas un autre mot, idole perdu. Idole perdu. Ah, ce serait vache, mais. Non, non, non tu vois, là, ça devient rouge. Donc c'est bien. C'est bon signe, ça. Non. Est-ce que c'est pas Lazarus Red si tu sens bah, combattre peut-être, c'est peut-être pas tuer l'autre. Ah, juste à combattre l'autre, ah ouais. Tu vois là, ça bouge pas. Ok. Et on avait dit croisement. Non, ok. Donc c'est bien ces deux cases qui ont un problème. Ouais. Putain. Manoir. Château ou manoir. Joli, c'était le manoir. Ok, joli. Le truc là où il y a le canon, c'est un manoir du coup, je pense. Ah, c'est pas le château, moi je croyais que c'était ouais, le château. J'ai cru aussi, mais putain, en fait, d'accord, c'est pour ça que je m'embrouillais. Ok, merci, là tu m'aides. Ok. C'est qu'en voyant les deux mots. Bon, là, on a un début, on a un début de quelque chose. On a un début de quelque chose. Ouais. Là, c'était quoi déjà? L'après-midi? Là, il y a un truc avec le gîte, je pense. Non, ah non. Ça, on va voir. Faudra déjà qu'on gère ce qui s'est passé le matin, je pense. Ouais, t'as raison. Sur le début. Tout le matin, il s'est rendu au chalet pour tuer. Mais alors, du coup, attends. Sa menace, en gros. Par rapport à ce qu'on a. Dans la menace, faut qu'on trouve qui est le mec qui le menace. Il lui a pris 32 choses, tu peux me les rendir. La femme voilée? Ouais, donnez-lui. C'est la meuf qui a le journal.
La meuf qui a le journal. Devant le campement, tu sais. Qui nous dit qui passe quand. C'est pourquoi elle a une montre en or, elle. C'est ça l'objet de valeur. Peut-être. On va la revoir. Attends. Je sais plus, c'est dans. C'est vrai, tu es sur le trajet. Elle est voilée ? Non. Non, elle a juste une charlotte. Il n'y a pas de femme voilée, non ? Non. Enfin, moi, je m'en... Non. Non, mais t'as raison, c'est bien le même endroit. Je l'avais. Ok, le pigeon, il y a quoi dessus ? Il n'avait rien, le pigeon, dessus. C'est juste un pigeon. Okay. Il est blanc. Blanc. C'est important. C'est important. C'est le détail qui tue. Et lui, il dit... Donc là, je reconnais cette voix. C'est vous, par ma vie, tu es ruiné, le bleu. Alors du coup, le mec mort, ce serait Walter Keane. Ou c'est peut-être Lazarus qui s'est bêtement fait piéger aussi. S'il a l'air de lui dire, ah c'est vous, vous êtes refait piéger comme l'autre fois. Oui, mais Lazarus, il n'était pas là l'autre fois. Donc comment il a pu se faire piéger comme l'autre fois s'il n'était pas là ? C'est vrai. C'est ça qui est bizarre. C'est vrai. Moi, tu me dis ça, je me dis, bah il est. T'as raison, t'as raison. Lazarus, c'est le mec au croisement. Lui, c'est qui en fait ? Lui, ils ont quoi comme rapport ? J'avoue que j'arrive pas à les. Ils sont en fuite. Tu fais mes ennemis, mon chamaille. Il avait moyen de la faire s'échapper du château ou un truc comme ça en fin de cette. Il avait trouvé. Et elle ? C'est ça qui me choque. Ah oui, c'est elle qui a fait la femme voilée, du coup. D'accord. C'est le nouveau pas signé. Attends, c'est qui a échappé à son tonique ? Ça, c'était dans l'histoire. Il y avait l'empoisonnement où on devait trouver les tables. Si tu veux, on peut aller la voir, cette enquête, elle est trop. Non, tu penses que c'est ça ? Ouais, je pense que c'est l'enquête. Moi, je pensais que c'était dans le bar. On devait trouver où mange quoi. Non, moi, je parle de celle-là, non ? Non, merde, non, pas celle-là, surtout pas celle-là. Putain, je sais plus laquelle c'est. C'était avant. Par là autour. C'est elle, je crois. Oui, c'est elle où on sait qui mange quoi. Regarde, il y a la table en bas en plus et tout. Regarde les personnages. C'est celle-là. Il y avait un verre. Ada Baker a empoisonné son tonique. Tu sais, sur la clé bleue. Il y avait une Ada Baker. Ada Baker. Bah, on sait que maintenant, la meuf qui est là-bas, c'est Ada Baker. On a un nom là. On a quelque chose. On a un petit truc là. Elle, ce serait Ada Baker. Cachez votre visage, il pourrait vous reconnaître. Donc la femme voilée. Ça me paraît logique. Attends, j'ai un problème. Edmund Clouzet. Donc un objet de Edmund Clouzet. Il revenait souvent Edmund en plus. Ouais, non mais attends. Là je suis en train d'utiliser tout ce qui me reste de cerveau là. Je t'avoue, je suis en fatigue, en bout de course. Et c'est OC Edmund Clouzet. Donc il a bien donné un objet de Edmund Clouzet. Donc il est passé par là. Ouais. Ok. Donc la première histoire elle tient plus. Donc déjà s'est rendu pas au chalet. Mais au gîte, je pense. Donc le gîte, je pense, ouais. Pour tuer. Attends. Je deviens fou, attends. Attends, les instructions. Faut qu'on trouve celui qui a des instructions sur lui, c'est lequel ? C'est lui ? Lui, il avait une lettre,
nous trouverons à l'endroit où nous sommes rencontrés là-bas, nous pourrons discuter. D'accord, donc c'est bien Lazarus. C'est Lazarus. Ok, on commence gentiment. Donc le trajet de Lazarus, c'est campement, gîte, chalet. Ici, chalet. Ok. Ok. Mais... Donc gîte pour tuer, on sait toujours pas qui. Attends, avec déduction, Nicolas Maker, on l'a pas mis, David Goran, on l'a pas mis, Peter Bailey, Batley. Et Marie, voulais-tu la morte? Non. Non. Nicolas Maker. En fait, faut juste qu'on trouve. Si on trouve qui est cet homme, on a gagné. Oui, ça nous aiderait beaucoup. Oh, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il dit ça. Oh, je reconnais cette voix. Oui, comme, parce que s'il s'attendait à Lazarus, non, il dirait pas ça. C'est ça. Donc c'est pas Lazarus. Et là, il m'embrouille. Donc ça veut dire que... Comment c'est possible que ce soit pas Lazarus? C'est là la douille. Il y a dû avoir mélange. Lui, il a pas de notes. Il a rien. Il a rien. Tu vois? Ce serait le cheval de qui? C'est les heures, les véhicules. Là. Si tu veux parler aussi des... Ah oui, pas con. Uniforme d'insurgé. À 10h15, ils sont partis. Uniforme d'insurgé. Ouais, c'est toujours des insurgés qui passent. Donc, 8h30, Lazarus part. Il va au gîte. Au gîte. Il donne le mouchoir, il récupère l'instruction, il part au campement, il se fait tirer dessus. Mais ça. En fait, ce qui joue pas, c'est pourquoi l'autre dit je reconnais cette voix. Oui. Est-ce que. Le temps qu'ils reviennent, le Lazarus, il s'est passé autre chose, tu vois. Oui, mais en fait, le mec qui est parti en deux roues est forcément le même qui est dans le chalet. Étant donné que le chalet, il y a le deux roues devant. Ici, les croisements... Et ça, on sait que c'est lié au combat. Mais on sait pas s'il l'a tué. Ils se sont battus, on sait pas s'il y a eu meurtre. Ouais. Juste à se battre, ils ont même... Enfin, c'était ça. Ouais. Allons juste à combattre l'autre. Mais au manoir, t'arrives à retourner dans le campement militaire. Alors ça va être fastidieux. Retourne au campement militaire, putain, ça fait déjà bientôt une heure qu'on est dessus. Sur celle-là. Ouais, va au campement, regarde la carte. C'est quoi le manoir déjà? Juste qu'on sache. Ouais, ça va nous aider à resituer. Le manoir, c'est bien là où il y a les mecs cramés. C'est là où il y a le canon. C'est là où il y a les mecs cramés. Le refuge des amants, le chalet de machin, le gîte de la petite sirène. D'accord. On est parti, le croisement. Je pense que le dernier livre est lié. À ceux qui sont en train de boire un café sur la plage. Là. Mais on s'en fout du coup. On va d'abord... Moi j'ai envie de dire, on va le tenter. De toute façon, autrement, on va mettre 4 heures. On va tricher un peu. Tu sais quoi? On va au hasard en mettre un. Oui, je vois ce que tu veux dire. Attends. Est-ce qu'on prend le frère? Pourquoi on était Adam sûr Hitcher, attends, Nicolas Mathieu, vraie question. Vois, par exemple, pourquoi pour Walter Keane, on était sûr qu'il était plus... qu'il était mort? Je sais plus, c'est un des soldats. Peut-être parce qu'on l'a vu nulle part. Non, j'avoue. Est-ce qu'on est comme... Non, est-ce qu'on part du principe que le gars qui a envoyé la lettre avec le pigeon voyageur, il fait pas partie de l'armée? On est d'accord? Ouais, je pense. Ok. Vraiment, et si il donnait des instructions à Adam Hitcher, est-ce qu'on part du principe que c'est Nicolas Hitcher son frangin? Pourquoi il y avait un Maker? Bah... C'était Adam et la meuf. Ah! Après, j'en sais rien, tu vois. Mais... Essaye. On part. Je crois que c'est ça. Le... Car. Blablabla voulait. Lazarus? Attends, c'est quoi le mot en bleu qu'on va mettre? Faire chanter. Faire chanter? Non. Là, non, bah non. Vous voulez trouver là. Attends, là. Femme. Femme. Voilée. Ah non, il n'y a pas. En tout cas, oui, vous allez trouver la femme. Bah, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. La femme idéale. Non. Femme du coup, dorée. C'est peut-être pas du tout ça l'histoire qu'on est en train d'écrire. La dépouille. Attends. Tôt le matin. On est tellement fatigué. La femme sans lance. Attends. Mon cerveau fatigue. Mon cerveau fatigue.
On va y arriver, on va y arriver. Non, non, mais attends, on s'égare là. J'ai l'impression. T'aurais pas juste un tout petit peu de table? Ouais. Je te pique juste. Pas de soucis. Parce que là, on finit l'enquête et après, on finit le live. Là, oh oui, mon cerveau est fatigué. C'est dur, hein? Non, tôt le matin. On s'attendait pas à temps. Là, ça me dit voir un nom, en plus, il voulait. Mais imagine que ce soit, on soit pas sur le bon personnage là. Oui, bah, juste aller dans l'histoire de l'histoire numéro 3. Par exemple, juste pour que je comprenne, l'après-midi c'est rendu au château pour kidnapper. Non, ok, c'est là. Ok, d'accord. Car c'est là le château pour kidnapper machine car nanana. Ces objets perdus ici, non? Pour qu'il lui rende ses trucs, il parle de ses années perdues. Il lui dit qu'il a perdu 32, tu sais, celui qui lui parle de 32 choses là, c'est peut-être des années en fait. Il y a année. Ouais. Mais alors attends, pourquoi l'après-midi là? Je comprends plus rien, j'en ai marre. Ça c'est autre chose. Oh, j'en ai marre. Ou est-ce que c'était l'après-midi et les autres ils sont partis le lendemain du lendemain? C'est ouf, il y en a toujours une où on est. En fait, on devrait se limiter à une enquête. Il y a toujours une où on gère et l'autre où on galère. La dernière histoire, c'était... Ah oui. C'est les meurtres. En vrai, ça pourrait nous aider. Ouais, ça peut nous aider, ça peut nous aider. Tôt dans la matinée, qui est mort en premier techniquement? Moi je pense que c'est. Celui de la du chalet? Ouais, du chalet. Ouais, celui du chalet. Tôt. Du manoir. Ouais, mais on a toujours pas leur nom. Bah, de toute façon, non, mais le vert, je sais ce que c'est. Le vert, je sais ce que c'est. Avant vert, midi. Tu mets avant midi, Alistair Corr a tué... Ah, oui, c'était James Turner. James Turner, ouais. JT. Au croisement. C'était au croisement? Ouais. Ouais, je crois que c'était ça. Ça, ouais. Je pense que c'est ça. L'après-midi... Ici, il y a eu à tuer Lazarus, je pense. Ici, c'est le meurtre de Lazarus. Pourquoi il y a autant de meurtres? Il y a un truc qui joue parce pas. Le canon. On a que 3 morts. Enfin, oui, je sais, mais ton canon, moi... ton canon, ça veut dire que dans les cramés, il y a un mec important? Tête cadavre mutilé, Chelsea. Il y a la voiture de luxe ici aussi. Ah, putain, c'est la merde. C'est celui-là. Il y en a d'autres qui sont partis. D'accord, putain, voilà qui explique tout. Je savais tout. Pas qu'il y avait un autre canon. Moi non plus. Enfin, un autre, oui, une autre voiture. On s'est compris, on s'est compris. Ok. Donc ceux qui sont partis en premier, ce serait eux qui sont venus. Ils sont venus pour kidnapper le roi, là, ou je sais pas quoi. Oui, ils sont liés peut-être à l'affaire de la meuf et du gars... C'est ça. Sur leur îlot. T'arrives à râler sur eux, on les a pas assez fouillés. Ça, c'était tout le matin, du coup, en fait, ceux qui sont allés au... Oui. C'est les premiers qui sont partis. Château, ouais. Ils sont partis au manoir. C'est le manoir. Ah oui. Non, c'est le château, là, pour le coup. Ah non, t'as raison, c'est le manoir. L'endroit où il y a le canon, c'est le manoir. Oui, oui, d'accord. Et il y a un château aussi au-dessus. Mais alors, c'est qui a utilisé le canon? C'est le gars qui est parti avec sa meuf? Ouais, je pense, ouais, ouais, tu étais prêt à tout, ouais, clairement. D'accord. Ça aurait sens. Et donc, c'est qui? C'est ce qu'on va voir. C'était ici. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont comme... Ouais, qu'est-ce qu'ils ont sur eux? Paris, course, pistolet femme. C'est quoi? À gauche, là, il y a quoi? C'était quoi l'objet? Ah, c'est juste une gourde. Ouais, oui, c'est de l'alcool. Oui, d'accord, ok. Les moins 7 points. Je crois que j'ai cessé de boire depuis ce matin. Désormais, si nos terribles gouvernements nous trouvaient. Mm-hmm. Et puis là, là, les deux lettres, on s'en fout. Il n'y a pas des noms dedans, justement? Ah, bah on sait que le mec. Ah, Marie. Marie, c'est la meuf. Mon oncle Edmund Blablu. Ah, c'est son oncle, ok. Edmund Tuesday est mort. Une affaire, ok. Cher Marie. Notre... Il veut l'enlever à qui, il dit Ok. Edmund. Bah, c'est peut-être Edmund, là, du coup. Je suis oui, perdu. Oui, je pensais à un Edmund, je voulais voir ce qu'on avait. Enfin, un Clouselet. Mais on l'a pas. Ah, c'est, ah mais c'est son nom, c'est son nom, il a pas le même nom forcément. C'est pas son fils. Non mais attends, dans les noms qu'on avait, attends, reviens en arrière là, dans les noms qu'on avait dans la lettre là. Ouais, il y avait Peter Clouselet. Non mais il y avait Marie. Vas-y. Oh, Peter Batley. Peter Batley, voilà. Et Edmund Clouselet, oui, pardon. Peter Batley. Bah c'est lui, Peter. Oui, pardon. Non oui. Je sais pas.
Je sais plus. Allez, on va dire, tu sais quoi, on va essayer. Peter. On est là, tu es qui, du coup je... Là, je comprends plus rien à ce qu'on fait. En fait, c'est chiant parce que là, je t'avoue que même si on y arrive, je serais déçu. Ouais, parce qu'en fait, j'ai rien compris. En fait, j'aime bien quand on arrive à avoir une ligne directrice. Oui, comme même sur si l'autre. C'est ultra sur galère. On a compris. Il y a une logique, c'est on sait ce qu'on cherche. Là, on sait pas ce qu'on cherche. Oui, parce qu'on a pas. En fait, on. Je sais même pas qui est mort. Lazarus. Et probablement. Et James Turner. À moins qu'il ait fait une entourloupe qu'on nous avait pas dit, quoi. Et il a tué quelqu'un au manoir. C'est les premiers qui sont partis en voiture. Bah alors, est-ce que c'est pas le fameux que je veux placer depuis le début, le Walter. Mais Walter Keane. Walter Keane. Ouais, mais Walter Keane. J'en ai marre, je voulais le voir mort, je sais pas pourquoi. Et dans l'après-midi, tu mets. Allez, vas-y, Nicolas Maker, on le tente à l'aléatoire total. Nicolas Maker a tué. Pourquoi il n'y a qu'un mot? C'est Lazarus. Non, il n'y a qu'un nom. Ah non, ok, il y avait deux. Oh, pardon. Hearst au chalet. Voilà. On va voir ce qui se passe. Ouais, c'était sûr. Ok, donc on est bien dans l'erreur. Et ils nous disent même pas, genre. Ouais. Il y a peut-être des noms, tu vois, genre. Imaginons, genre. Non, attends. Ok, je sais, je me rappelle d'un truc. Tu te rappelles de quelque chose? Je me rappelle d'un truc. Ah! Les changements de fil. Faudra remettre Nicolas, je l'ai enlevé sans face, quoi. Enlever Nicolas, le petit Sarko. Bon, Nicolas Maker, on a aucun truc qui prouverait quoi que ce soit lui en vrai. C'est horrible, y'a rien qui prouve que c'est lui, bah, on est parti Maker, juste, c'est le seul nom qu'on a un doute. On sait pas ce que c'est. Attends, mais en fait, si, attends, on sort d'où Nicolas Maker? C'est un soldat. Il est dans le livre des soldats, là. Mm. Enfin, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Oui, MM. Merde. Bah non, mais ça peut pas il être est lui. Là. Il est là, mec. Ça peut pas être lui. C'est lui. Ah oui. Vous êtes hors d'affaires, accusé. Voilà, il peut pas, ça peut pas être lui. Ok. Non, pour moi, c'est peut-être même Walter pas un soldat. King, James Turner. Oui, c'est ça. Mais attends, on revient sur le... Comme ça, on peut les enlever. On a... En soldat, il y a Walter King, James Turner, Alistair, machin, Nicolas Maker et... DG. DG. David Doran. David Doran, ok. Ça, c'est les soldats. David Doran, il est où? Il est où, David Doran? Je sais pas, ils en parlent nulle part après, je crois. On l'a même pas... Si, on l'a. Non, ceux que j'ai dit qu'on n'a pas là, il y a... Bah attends. Parce qu'en fait, le problème... Attends, stop. J'aimerais juste savoir lesquels sont pas des soldats. Remets la liste. Ça va nous aider, déjà. Quelle liste? C'est pas des insurgés, tu vois. Ça? Genre, ici, on sait que Batley, c'est pas un insurgé, du coup. Nicolas Maker, c'en est un. Alistair Court, c'en est un. Terdan James, c'en est un. Walter... Mais pourquoi? C'est presque tous des insurgés. Bah, ça veut dire... On sait que c'est tous des insurgés. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un soldat qui a fait un sale coup et qu'on nous dit rien du tout. Là. Oui, non, je sais. Mais justement, moi, je pense que soldats. Là... Genre, bah... Là où on s'égare, s'il faut vraiment qu'on cible un gars, genre lui, oui, et qu'on réfléchisse, genre, pourquoi il dit ça? Vous êtes fait avoir par le même piège qu'il y a des années par un homme de paille. Donc, pour moi... Ça, c'est Walter. Et il y a eu une erreur. Je sais pas pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas non plus. Parce qu'il a filé l'objet. Attends. Et il disait quoi dans le livre sur Walter? Est-ce qu'il disait que c'était un mec que tu pouvais l'envoyer n'importe où? Je sais plus. Il y avait des gens là, il y avait des... Walter, il disait quoi de Walter? Traite comme beaucoup de gens intelligents. Ah, il l'a peut-être envoyé justement à la mort volontairement. Ouais, peut-être. Lazarus. Parce que Lazarus, on a sa tête. On sait qu'il ressemble à ça. Ah oui. Mais il ouais, y en a deux sous un casque. Mmh. Alors du coup, là... On va tenter des choses. Tu sais quoi, on va tenter des choses. On est là pour ça. Tu veux mettre Walter King? Ouais. Comme si Lazarus lui avait dit fais ça. C'est peut-être pas Nicolas ici, mais... Car Lazarus Reds voulait récupérer ou je sais pas quoi. Voilà. T'as tout compris. Ça peut jouer. Ce serait vraiment vache parce qu'en vrai, il y a tellement rien qui dit des choses. Ah non, ça joue pas. À voir.
si tu voulais avoir l'idole dorée, genre c'est ça tu l'aurais volé, en l'autre quand il dit les 32 choses là, machin. Non, ça n'a aucun sens. Je sais pas, l'autre il est trop... Oui, je sais, mais l'autre il dit pas ce qu'on lui a volé. Là on était à quoi, l'après-midi? Non, 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 c'est ça en fait notre histoire. Il est là le chalet. Là il y a le chalet, c'est sûr. Ça paraît bizarre que ce soit l'après-midi parce qu'il avait dit rendez-vous à 11h, mais c'était rendez-vous à 11h au gîte. Oui, oui, non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, je vois. 11h30, il était au gîte. C'est vrai. Donc après-midi, oui, ça joue, tu vois. Ouais, ça joue. Alors, essayons Walter Keane et on va voir jusqu'où ça nous mène. Au chalet pour trouver. Non, pour. Mais il doit trouver Chelsea. Non, pourquoi j'ai mis chalet, moi? Je suis à l'ouest, bordel. Ah ouais, mais non, mais c'est pas l'après-midi du coup. Bon, là, il y a essayé de faire chanter, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, Lazarus, ça on le sait. Lazarus, merde. J'ai tout mélangé. Ouais. Pour qu'il lui rende ses années perdues, pour moi, ça c'est bien. C'est années perdues. Je suis très d'accord avec ton truc. En plus, c'est stylé. Je suis 100% d'accord. C'est bizarre, mais... Il manque toujours ce nom. Mais non! Oh! C'est quoi les mots bleus? Mais regarde, il lui rend ses années perdues. Attends. C'est-à-dire qu'il avait l'idole, hein, maintenant. Enfin, il lui a pris 32 ans avec l'idole. Ouais, oui, oui, oui. Oui, mais alors attends. Merde. Attends. Sur quelque chose mentalement, mais j'arrive pas à savoir quoi. Expliquer. Attends. Pour trouver, hein, ouais. C'est bizarre comme phrase. On a toujours pas le nom du gars, ça qui me rend fou. Goran, j'ai trop envie de mettre Nicolas Baker. Enfin, Bentley ou Goran. Nicolas Baker. J'ai trop envie de le mettre partout. Non, mais ça peut... en plus, on a vu que ça peut pas être lui. Je suis trop con. On sait que ça peut pas être lui. Il y avait David Goran, si tu veux. Dans les. On sait pas où ils sont. C'est soldat et on sait pas où il est. Ok, bon, on prend. Ou Bentley, sinon tu fais partie de rien. Vas-y, on essaie David Goran deux fois, on va voir ce qui se passe. Non. Ouais, non, non. Pour. Ah. Ouais, ça pourrait être lui deux fois. C'est chaud. Je comprends pas comment on est censé trouver qui fait quoi. Je sèche. Non mais on va trouver, on est obligé de trouver. Attends. Peut-être qu'on se trompe et que c'est Lazarus. Hein. Mais c'est juste bizarre si les voix. Non, parce que regarde, ça peut être que Walter Keane pour une seule raison, c'est ce que dit lui. Il dit, vous êtes fait avoir de la même manière qu'il y a des années. Et celui qui s'est fait avoir... Techniquement, c'est Walter Keane. Lui, c'est Walter Keane. On avait vérifié. Je crois que c'était ça. Ah non, David Goran. Non, c'est David. Oh putain. Mais ça change tout. Oui, ça change tout du coup. Putain, pourquoi on est parti sur Walter? Je sais pas. Je sais plus pourquoi je pars sur Walter tout le temps. Qu'est-ce qui m'arrive? David. Je vire Walter. Putain. Oh, ça change tout. Alors... Attends. Bon, inversé, tiens. David, Goran, s'est rendu au gîte pour tuer. Non, c'est pas forcément tuer. Oui, non. Je sais pas, c'est moi qui ai dit tuer, mais. Pour trouver, je pense. À la base, il veut juste trouver quelqu'un là-bas au gîte. Il n'y a pas eu de meurtre au gîte et tout. Ouais. Trouver. Marie, ça doit être la sœur de quelqu'un. Le nom de la meuf, là. Si on doit la placer. Mais ça me paraît bizarre parce que Marie, ce serait... Non, on sait, Marie, c'est la meuf... Non, je t'entends Peter Batley. Non, c'est pas Peter, ça peut pas être Peter. Comment on peut savoir qui est ce gars? Il a deux... Il a quoi dans le dos? Il a un noir main doublé.
Mais tu sais que j'ai déjà vu ce logo. Moi aussi. C'était pas le mec qui se faisait adouber? Non. C'était pas le mec dans le buisson non plus. Non, il avait... Si. Ça ressemble, mais... Attends, on avait eu... Il avait quoi, l'autre? C'était main, deux yeux. Ah non, et puis je pense pas qu'il soit pute à ce point, quand même. Moi, tu faisais rajouter un œil, tu vois. En plus, là, il est passé de roue. Bon, ouais, niveau coupe, ça jouerait, hein. Tu penses? Bah, c'était quoi son nom que t'aurais pu regarder? Il a pas de nom. Ah, il a pas de nom? Il a pas de nom. C'est l'homme du buisson? Ouais. Oh, bah alors, non. Il a pas de nom. Non, non, ça n'aurait pas de sens. C'est bizarre, c'est que lui... Ils respirent, on pourrait leur poser des questions. En fait, ça peut pas... Il y a un truc qui joue pas là-dedans. Oui. C'est que, imaginons, c'est pas Lazarus. Ouais. Comment il peut savoir où il doit aller si le gars lui envoie à l'endroit où nous nous sommes rencontrés? Oui, c'est ça. Ça, il l'a eu sur place. Ouais, ouais, donc non, ça peut être que Lazarus. Mais pourquoi alors il dit, je reconnais cette voix, c'est vous? Il nous manque un truc dans l'enquête là. Il nous manque un élément. Chose qui nous échappe. On était bien parti avec cette cloche là. Là on est dans le flou total, c'est magique. Ils auraient au moins pu nous séparer ces trois trucs, hein, qu'on soit sûr. C'était quoi Il y avait David Goran. C'est quoi, j'ai rien d'autre à foutre. Oh non. Oh. T'as changé quoi où? J'ai mis David Goran ici. Ah oui, dans l'après-midi, Nicolas Mathieu a tué David Goran au chalet. Ok. Enlève Nicolas Mathieu. C'est pas chiant. Attends, on va voir. Attends, si je mets n'importe quoi. Ouais, c'est celui-là qui joue pas. D'accord, donc. Non, non. Alistair Carr. Ok, là on a eu du bol. Là on a eu du bol. En gros, Nicolas. Pourquoi je veux mettre Walter Keane partout? Peter Butler. C'est quoi j'ai envie de le mettre? Lazarus, manoir. Et si c'était Walter Keane? Je sais pas pourquoi je voulais le mettre. Il y a bien de raison. Allez, mais voilà. Merde. Mets-la. Merde. David. Peut-être pas du tout, hein. Oh, essaye. Mais il doit bien y avoir une raison. Pourquoi je voulais mettre Walter Keane partout? Je sais plus. Putain. Il y avait une raison. Il y avait une raison et je sais même plus pourquoi. Bon, attends. Mon cerveau a fait l'enquête sans moi. Le matin. Comme ça, les gens pourront faire la loi. Il m'a laissé tomber l'enfoiré. Tôt le matin, il y a Peter qui a tué Lazarus au manoir. Ouais, bon, là, en vrai, ça va grave tout régler. Hein. Un peu, justement, avant midi, c'est Alistair Clark qui a tué James Turner. Et puis, en plus, regarde, les couleurs des livres correspondent aux couleurs des trucs. Oui, c'est vrai. Donc, le premier, c'est forcément Peter Bailey, la première... Tôt dans la matinée. Voilà, donc là, c'est l'histoire Peter Bailey, machin. Peter... Bailey. C'est rendu... au manoir pour tuer du coup c'était qui, je suis perdu, Lazarus. Peter Lazarus. Attends, il l'a tué comment ça se fait? On a résolu l'enquête sans comprendre. Je comprends pas comment ça se fait que Lazarus est au manoir. Je sais pas, je comprends pas. Il a réellement envoyé un mec random pour faire le pour se faire tuer dessus au canon. Enfin, ouais. Je sais pas, je comprends pas, mais lui il était peut-être pas là pour tuer. Lui, il était pas là pour tuer. Lui, il était là pour tuer l'autre. En fait, tout le monde a tué quelqu'un qui n'était pas destiné à être tué. Ouais. Donc, en gros, lui, il voulait tuer le mec... Regarde, Peter Bailey, il est lié à l'histoire d'amour. Il veut tuer le mec qui est en train de siroter. C'est qui, lui? Déjà, on avait déterminé, lui. Lui, c'est qui? C'était Peter Beckley. C'était la lettre. Non, parce que Peter Beckley... Ah, tu voudrais dire que ce serait lui, Peter? Bah, je sais plus, regarde la lettre. C'était dessus, mais j'ai un doute. T'as raison, il y avait une lettre de Peter, mais l'autre, c'était qui? En Batley, et puis c'était Marie. Ils se répondaient l'un l'autre. Et là il y avait Marie et puis femme idéale. Peut-être qu'il voulait. Bon, tu sais quoi, on va tenter du simple et on va voir ce qui se passe. On va mettre tuer. Même si ça n'a aucun sens, pourquoi il voudrait tuer Lazarus? Parce que Lazarus a fait autre chose que ce qu'il veut faire, j'en sais rien. Peut-être qu'il a trouvé l'endroit où il s'est fait. On peut pas dire qu'il s'est rendu pour tuer. Non. Pour trouver, je pense. Non, moi je pense que là, on a trois trucs et que les meurtres ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a eu mélange de personnes. C'est des conséquences de. Donc, en gros, lui, il s'est rendu là-bas pour tuer qui?
Qui c'est qui lui avait potentiellement niqué sa femme? Non. En fait, il est allé là-bas pour la kidnapper, je pense. Ah bah oui. Parce que dans la lettre, il parle de... Ah bah de oui, je suis con. Et bah Marie, c'est la sœur de quelqu'un. J'étais trop mindé par ce qu'on avait c'est déjà Marie écrit. Marie, et c'est la sœur de je sais pas qui, par contre. Ça, c'est le souci, c'est son nom de famille. Bah, peut-être toi, ça te semblera plus logique, moi, j'ai pas... Ah bah, attends, bah... C'est Marie. Si, va sur le livre. Va sur le livre. Il y a que Marie, mais va sur le livre, je sais. Là C'est lui où on était. Tôt le matin, c'est rendu au manoir pour le kidnapper. Soit il kidnappe sa fiancée qui s'est barrée avec un autre, et du coup, c'est une Marie Bethley. Soit c'est autre chose. Mais je partirai sur Marie Bethley. Il va récupérer sa femme. Tu vois l'idée? Attends, mais pourquoi il voudrait kidnapper sa propre femme? C'est bizarre. Bah, parce qu'elle est partie avec un autre mec. On est en 1700, je pense. Car Peter... Mais attends, je répète, Peter Bethley, vous voulez trouver la femme idéale? Peut-être, là, je ne sais pas. Je comprends plus ma fin de phrase, là. Je sais pas ce que j'écris. Je sais pas ce que j'écris. Bon, non, mais voilà, c'est faux. Non, ok. Bah, non, mais pourquoi il kidnapperait... Non, attends. Bah, ils sont forcément venus au manoir. Non, mais il y a plus d'erreurs que... Là, il n'y a pas que deux erreurs, donc... Mais non, du coup, enlève les noms. Attends. Et là, c'est Edmund. Edmund Clouzet. Oui. On l'a pas, lui, non? Oh là, mon cerveau est en feu, là. Ouais, ces histoires sont tellement... C'est rendu au manoir. Petites histoires. On est d'accord, déjà, pas que je me plante dans les endroits. Hein. Peter a tué Lazarus, mais je pense que c'est pas volontaire. Non. Donc, en fait, là, ils se sont inversés tous. Donc, c'est... Faut juste inverser les noms, je suis trop con. James Turner. James Turner, il est... Non, en fait, là, il n'y a pas eu le croisement. Je dis de la merde. Il y a eu le croisement qu'entre là et là. Entre les deux, donc, est-ce que ce serait David Gorham qui cherchait à tuer? Ah... Non, mais ça n'a plus aucun rapport. Attends, attends. Ah, mais non! Est-ce que ce serait pas Lazarus, là? Je pense que c'est ici, parce que... J'ai pas compris. Mon oncle, voir le que je suis... Non, c'est pas... Non, mais là, c'est Edmund qui écrit. Ah oui. Non, c'est pas ça. Non, du coup pas. Parce que lui, il parle bien de venir la chercher, en gros. Ouais. Enfin, il parle de la kidnapper. Ouais. Autant pour moi. Mais c'était nul. Par contre, je vais remplir celui-là en attendant, lui, parce que ça va peut-être mêler. Bah, je sais plus, mec. Honnêtement, j'en sais rien, c'est peut-être même Peter. Bon, après, elle dit Marie. Ouais. Bref, attends. Attends, putain, je sais plus, j'ai tous les noms qui se sont mélangés. Walter Kane a tué David Gorham, voilà, au chalet, d'accord. David Gorham s'est rendu au gîte pour trouver Walter Kane. On va essayer. Walter. Car... Bah, Walter Kane, à nouveau. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais... Ouais, c'est ça. Essayez de faire chanter Lazarus. Ces années perdues. Il y a une case ou deux en moins. Ouais, est-ce que ce serait Lazarus qui est fou et on a mal tilté ça, mais ça me semblerait bizarre. Non, parce que c'est Lazarus. Dans la lettre, je commence par Lazarus. On sait jamais. Genre, on a fait tellement de fautes. C'est peut-être pas ses années perdues. Ah. C'est femme idéale. Ouais, ça, non, il y a rien. C'est le seul au pluriel, mec. Juste le pluriel fait qu'on est obligé de mettre ça. Bah, t'as 100% raison. Ouais. T'as 100% raison. Tu l'as pas essayé de... Il a essayé de le faire chanter. Non, bah non. Ah, ou est-ce que c'est faire chanter Égypte? Attends, c'est l'après-midi. Non, il s'est rendu au gîte, oui, non, c'est juste. Ouais. Pour trouver. Est-ce que pas où à trouver. Est-ce combattre. Que c'est bien David Go? Ouais, tu vois, je peux changer sans que ça risque. Donc celui-là, il est faux, probablement. Ah, pour tuer. Ouais, vas-y. Gardons Walter Keane. Faire chanter, tu peux le changer? Ouais. Ah oui, mais s'il y a deux erreurs, en fait, tu peux tout changer. Ah oui, parce que le chasse de monstre, je vois. On est dans la merde.
On est dans la merde, attends. Non, mais essayer de faire chanter Lazarus, ça se tiendrait assez bien. Cliquer ça pour tout. Quoi ouais, hein. J'ai cliqué de façon aléatoire chalet. Oui, mais oui, mais oui, mais puisque le gîte, c'est le bar. Ah putain, oui, d'accord, mais après. Confondu oh là là, j'en ai marre. J'ai confondu. Putain, bande de connards. Oui, c'est vrai qu'on était on même pas dans l'histoire du voile, oui, on était après là. Oh là là. J'ai tilté, mais en fait, gîte et chalet, ça se ressemble tellement que j'ai pas pensé qu'il y avait le bar. Ils auraient dû mettre le bar au lieu du gîte, ils sont un peu. Ça aurait été plus classe. Ça nous est pas pour le premier livre. Oh mon dieu, vide-moi tous ces mots. Tu sais quoi, je vais voir partir à zéro, gars. J'en peux plus. Sur celui-là, ouais. Ouf. C'est bon. Déjà, on va retrouver qui a tué qui le matin, là. On y est presque. Ça. Vas-y. On y est. Dernière ligne droite et on a fini. C'est les derniers 25%. Ouais. Et là, ils ont 20. Tu vois, genre, on est à 2h20 et genre 2h40. Bon, tout le matin. C'est quoi les kills? C'est du Peter. Matin. C'est Peter. Bah, c'est Peter. Ouais. Peter va aider à tuer Lazarus. Ah non, peut-être qu'on parle du point de vue. Lazarus s'est rendu. Ah oui, oui, oui. Et il s'est fait dégommer. Lazarus Hearst. S'est rendu au manoir, ça on est d'accord. Pour combattre. Kidnapper, faire chanter. Combattre. Le Peter, du coup, peut-être. Peter, ouais, Peter. Peter Loran, c'est ça. Peter. Non, Peter Bentley. Bentley. Car Peter. Non, car Lazarus. Non, car Lazarus ouais, voulait l'idole. Lazarus. Non, je sais plus, voulait, je sais plus ce que j'ai écrit, moi. Voulait kidnapper la familiale, allez. Je sais pas. Il me servira bien. Non, je sais pas. Non. Voulait. Ouais, j'avoue que la famille. Voulait trop. C'est quoi, pour ton plaisir, je vais la mettre. Ah, peut-être que l'autre... Ah, attends. Où est-ce qu'il voulait venir trouver l'idole. Imaginons que Lazarus, à l'époque, il avait volé les années, mais entre-temps, il s'est forcément fait voler l'idole, il se fait tout le temps voler. Ouais. Donc il l'avait plus. Peut-être. Donc il était dans la merde, en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas allé direct au rendez-vous, et qu'il allait au manoir. Oui, mais ça marche pas, parce que c'est là, et t'as raison, donc c'est la femme. Ah. C'est la femme, regarde, c'est la femme. Ah oui, ça peut pas être la idéale, la, c'est la, sûr. La... Du coup, c'est pas du tout ça, c'est pas pour combattre. Pour kidnapper. C'est pour kidnapper. Marie. Et ouais, et là on est dans la merde. Ouais, mais déjà Marie. Ah, mais Marie Bentley. Marie Bentley peut-être, ouais. Mais pourquoi par contre il se faisait passer pour Marie, tout en bas. C'est pas Bentley. Marie. Marie Maker. Encore. Non, quoi mais... Marie Loran. Mais pourquoi ? Ça sonne bien. Y'a rien qui nous dit ça. Oui, mais c'est Marie. Non, c'est pour kidnapper. Marie Turner. Non, attends. Ouais, j'avoue, y'a plus 30 minutes. Marie Chin. À moins que ce soit sa sœur, Marie Hearst. Là, attends, ça deviendrait bizarre. Oui. Non, bah, à part Marie-Tine, sinon... Marie Walter... Non, ah, Walter... Putain. Non, mais non. Non, attends. Ah non. Donc là, c'est réellement kidnappé, là. Ouais, je pense. Vous foutez de ma gueule. D'accord. Mais alors là, c'est réellement kidnappé. Non. Ok. Faire chanter, non, trouver la famille derrière. Non, je sais. Vous voulez trouver. Ouais. Non, mais justement. Soyons concrets. Non, mais pas ça, c'était une erreur. Donc ah, là, oui, maintenant, oui. Tu vois, genre là, si on met Bentley. Merde. Ah, j'ai cru. Ah oui, Marie. Maker. Putain, c'est quoi son nom? Marie Teen. Je sais pas, c'est la sœur de quelqu'un, mais Marie Corp, elle sait tous les. Teen, c'est quoi? Là, c'était Walter Teen. Hearst. Non. Marie. Goran. Non mais ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que c'est... Enfin, tu sais... Marie, tu peux le changer? Non. Ouais, non, c'est bien Marie. Donc c'est bien Marie. On est vraiment... On est à ça de l'avoir. Marie qui? Marie Alistair? Attends, Marie... Marie James? Non. Imaginons que c'était un prix, genre... Je vais tous les essayer, on n'a pas le choix. Turner, non. Hearst. Non! Attends, mais imaginons, on a trouvé Marie, mais genre l'autre il est fort. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Deux? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme il nous dit deux trucs ou moins, sont faux. Ouais, d'accord.
Mais c'est-à-dire, genre que là, ça, on pourrait ça avoir faux. Le bon nom, mais est-ce que ça, on... Ah putain, ouais, on peut le changer. Par exemple, tu vois. On devrait mieux trouver d'abord lui. T'as raison. Oui, mais ça, ça paraît logique. Je suis désolé. Trouver la famille à Louis, non, j'avoue. C'est bien le manoir, on se fait pas rompre. Le manoir, il est à qui ? Il s'appelle comment le manoir ? C'est pas le château, hein. Ah ? Non, je vérifiais. Ah non, t'as bien fait. Parce que je la vois venir, la vieille douille. Pour. Marie-Jeanne. Pour. Peter Parker. Kidnappé. On l'a trouvé. Marie. Moi, c'est ça qui me. Tu vois, on peut vraiment tout changer sans que ça incidente. C'est la merde. Pour avoir. Comme un Pokémon. Oh, c'est horrible. Oui, là, c'est un chercher-trouve, quoi. Non, non, mais attends. Il y a un problème de... En fait, on a un problème de phrase. Oui. Tout le matin, Lazarus s'est rendu au manoir. Ouais. On a un vrai problème. Pourquoi il nous dit qu'il y a autant de trucs, enfin, ouais. Si peu de trucs qui sont faux, alors que... Mais parce que là, je pense qu'on a mis juste, involontairement, ça. Ah, c'est possible, ouais. Et que là, en fait, c'est... Walt... Peter... Putain. Ah ! Donc là, ce serait... Ernst. Ouais, donc là, c'est obligé. C'est clairement Lazarus. C'est Lazarus, c'est sûr. Est-ce qu'il est venu pour trouver qu'il y a plus de... Là, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un mot qui est en erreur. Il n'y a qu'un mot qui est en erreur, et ça doit être... En vrai, c'est forcément Bethlehem son nom, c'est le seul truc qu'on peut savoir. Trouver, essayer de trouver. Oui, je voulais inverser, mettre trouver et kidnapper dans l'autre. Ouais, pas con. C'est peut-être juste ça. Non. Mais c'est vraiment ces deux faux de mots. Il voulait tuer la famille. Non, avoir la famille. Et c'est kidnappé là. Ah, je veux. Non, là tu l'as. C'était ça. Putain, oh, ça se joue sur la formulation, oui, de la phrase. Ça joue sur oh, je le hais. Putain, oh. C'était l'enfer. Oh. On en fait une. Non. Lazarus Ernst a mené ses hommes. Alors attends, avant de prendre le château du roi d'assaut avec le parti de l'or, Lazarus Ernst a mené ses hommes jusqu'au vieux manoir de Sébastien Cloudesley afin de kidnapper son amour perdu, Marie Batley, née Richards, qui s'y cacha avec son mari Richard, Peter Batley. Mais à quel moment on savait que Lazarus voulait cette meuf? Ouais, lorsqu'ils sont savait entrés qu'il était dans le manoir, Lazarus et ses troupes se sont trouvés nez à nez avec un Peter ivre et le canon qu'il avait gagné au jeu. Ah oui, putain, il y avait cette histoire de canon. Le canon que l'autre avait perdu au jeu. Peter a tiré sur Lazarus, cassant ainsi l'idole. Et fuit la scène avec Marie. Il a cassé l'idole. Ah oui, instant scénario. Il a cassé l'idole. Ouais. Eh, vous n'étiez pas avec le parti de l'or ? Non, je n'ai jamais fait partie de cette épouvantable organisation. Ah, c'est fini ? Je sais pas, peut-être en vrai. Babiole en laiton doré. Estimez-vous heureux. Ah, et il a acheté l'idole. Épilogue. Il y a un épilogue pour une autre fois. Ouais, ça fait chier parce que c'est juste un épilogue de 3 secondes. Bon, au pire, il y aura un autre jeu après. Oui. Mais là, on va s'arrêter parce que notre cerveau est en feu. Ah, c'est terrible. Là, celle-là, elle était vraiment dure. Mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment tellement peu de choses qui nous indiquaient quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'il me semble que... Et même l'utilité de revenir en arrière. Il me semble pas que ça sera fini comme ça. Hein. J'ai vu des images du jeu, je suis pas sûr de les avoir vues, quoi. Okay. Ça me paraît bizarre. Bref, on verra ça une prochaine fois. Une autre fois. On vous souhaite un excellent week-end. Un repos du cerveau. Ouais. N'hésitez pas à passer sur notre chaîne YouTube aussi. Weir. Weir. Juste Weir. Il y a des enquêtes et il y a des trucs plus péchus. Il y a un peu plein de choses, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à commenter. Du contenu warning de qualité. Et n'hésitez pas à picoler, non je rigole. Activez la cloche, ding dong. Oh non, ça fait... Allez, au revoir les amis.